Chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux, de continuer nos travaux puisque nous sommes réunis déjà ce matin. Nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Messieurs les ministres, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Permettez-moi de le dire, et vous trouverez sans doute le mot un peu fort, mais je pense que cette journée est historique. Je ne pense pas que dans la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, nous ayons eu la possibilité d'auditionner en même temps le ministre de la Transition écologique et le ministre de l'Agriculture sur un sujet aussi important qui est le sujet de la ressource en eau. Merci, messieurs les ministres. Je veux y voir, bien entendu, l'importance que vous accordez à notre commission, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, mais je veux y voir aussi votre volonté de bâtir ensemble une stratégie ambitieuse pour faire face à un sujet essentiel qui est la préservation de la ressource en eau, l'eau bien rare, or bleu, bien vitale. L'eau, ressource du 21e siècle que nous devons préserver, que nous devons chérir. Nous le voyons dans nos territoires à travers notamment des problématiques de gestion de la ressource de l'eau, des conflits d'usage. Nous le voyons aussi à travers des stress hydriques qui ne cessent de se répéter et qui vont s'aggraver d'année en année. Et donc c'est la raison pour laquelle notre commission a décidé à la fois de mener un cycle d'audition, mais aussi de lancer une mission permettant de répondre à la problématique de l'eau face aux défis du changement climatique, avec une ambition forte, celle de pouvoir proposer des solutions. Des solutions, vous en avez de nombreuses, puisque vous avez porté, aux côtés du président de la République, 53 mesures pour l'eau. Et notre volonté, messieurs les ministres, c'est que vous puissiez nous partager votre ambition, nous partager ces 53 mesures de sorte que la représentation nationale puisse s'en saisir et porter à vos côtés eh bien, ces mesures de sorte à répondre à cette problématique essentielle pour l'avenir de notre pays. Je ne serai pas plus long, monsieur le ministre, je vous laisse la parole et puis classiquement nous aurons les orateurs de groupe qui s'exprimeront pour eh bien, avoir des détails supplémentaires sur les mesures que vous allez nous présenter, messieurs les ministres. Monsieur le Président Zulesi, merci. Avec Marc Fesneau, on est ravis d'avoir l'occasion de venir présenter devant votre commission et détailler notamment dans les questions ce qui est envisagé dans le cadre de ce plan eau qui a été présenté à la fin du mois de mars par le Président de la République à Savines-le-Lac. Peut-être quelques cartes actuelles qui débordent un peu le plan eau mais qui permettent de contextualiser la situation dans laquelle on se trouve. D'abord, indépendamment de la sécheresse de l'été 2022, le sujet, c'est bien la trajectoire sur laquelle nous sommes. Et la trajectoire, en lien avec ce que disent les experts du GIEC, c'est une diminution de l'eau disponible. Pour se dire les choses de manière claire, il tombe environ sur notre pays 500 milliards de mètres cubes de précipitations. Sur ces 500 milliards de mètres cubes, il y a une part qui est ensuite disponible pour faire l'objet de prélèvements. Cette part disponible, on peut l'évaluer à environ 160 milliards. Sur ces 160 milliards, il y en a 33 que nous prélevons, et sur ces 33, il y en a 5 que nous consommons. Quelle est la différence entre le prélèvement et la consommation? C'est simple. Le prélèvement, c'est un usage temporaire avant d'être rejeté dans le milieu. La consommation, c'est un usage qui n'aboutit pas à un rejet dans le milieu. Et très clairement, ça explique pourquoi dans le plan eau, on distingue ceux qui sont très consommateurs en prélèvement. Je pensais par exemple aux centrales. Aux centrales nucléaires qui utilisent de l'eau pour se refroidir, mais qui la rejettent ensuite dans le milieu, ça c'est un prélèvement. En revanche, la consommation, c'est par exemple l'eau qui va servir pour l'irrigation et qui du coup est ensuite transformée à l'intérieur des aliments que nous allons manger, mais qui n'est pas restituée sous forme d'eau. Les experts
ne disent pas qu'il pleuvra moins. Ils disent que l'eau dont on disposera sera moins nombreuse, puisque sous l'impact de l'élévation des températures, l'évapotranspiration sera plus élevée, puisque les températures seront plus fortes, et la part qui sera absorbée par la végétation sera également plus importante. Et ça conduit à ces fameuses projections qui indiquent que nous aurons entre 10 et 40% d'eau en moins, à la fois selon les trajectoires de température sur lesquelles nous serons, mais aussi en fonction des endroits sur lesquels on se trouve, puisque le territoire n'est pas homogène face au dérèglement climatique. Vous avez sous les yeux la prévision de l'étude scientifique Explore 2070, qui est à la fois opérée par l'INRAE et par le BRGM, et je vous précise qu'il s'agit des dernières compilations existantes qui se basent globalement sur des données qui remontent à une petite dizaine d'années, et que cette trajectoire Explore 2070 sera totalement refondée dans le courant de cette année 2023 pour arriver à un modèle Explore 2 qui nous permettra de calculer, en fonction de l'actualité du dérèglement climatique, les prévisions que nous pourrons faire sur les différents territoires et qui seront moins favorables que la carte que vous avez sous les yeux, mais qui correspond aux données qui ont pu être modélisées par les différents services du pôle ministériel. Je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. La diapo suivante, elle permet de mesurer ce qu'a été l'impact de la sécheresse 2022. Vous avez les cumuls mensuels de pluies efficaces. Les pluies efficaces, ce sont les pluies qui permettent de recharger les nappes et donc qui s'arrêtent généralement au mois d'avril, au moment du début de la fin de la saison de recharge, où les pluies qui arrivent au-delà n'entrent pas dans les nappes phréatiques et ne constituent pas une ressource prélevable, puisque précisément, elles viennent nourrir la végétation. Vous avez la situation de 2018-2019 qui n'était déjà pas une année formidable, mais vous mesurez, quand vous voyez la carte de 2022, la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés, situation qui s'est particulièrement aggravée sur la fin de la période, puisque le mois le plus compliqué que nous avions eu, c'était le mois de juillet, avec 88% de déficit de pluviométrie, ce qui évidemment, en termes d'anticipation pour cette sécheresse 2022, nous plaçait dans une situation un peu différente de celle que nous connaissons pour l'année en cours. Et puis vous avez à droite la carte des communes qui ont été en tension ou en rupture avérée dans l'alimentation d'eau potable. Je précise, vous voyez qu'il y a quelques départements dans lesquels nous n'avons pas eu de réponse, notamment parce que certains maires répugnent à indiquer s'ils ont connu des tensions d'eau potable, de peur qu'on les oblige à mutualiser leurs services d'eau potable avec une partie de leurs voisins, ce qui explique ces taches bleues sur la carte. Cette carte, elle a été faite par la mission d'inspection interministérielle à l'issue de l'été que nous avons vécu, avec plusieurs inspections de plusieurs ministères, puisque la particularité de l'eau, c'est qu'elle relève de plusieurs ministères. L'eau potable, c'est le ministère de la Santé, on aura l'occasion d'y revenir, par exemple sur les blocages pour la réutilisation des eaux usées jusqu'à maintenant, et donc les endroits où il convient de le régler. L'eau disponible, en revanche, dans les milieux, elle relève du pôle ministériel dont j'ai la responsabilité. La situation maintenant de l'année 2023, pour contextualiser le moment que nous nous apprêtons à passer ensemble. Et là, vous avez les derniers éléments disponibles. C'est-à-dire au 1er avril de cette année, on a toujours une dizaine de jours de façon à faire remonter les observations des piézomètres pour savoir où en sont les nappes phréatiques à l'issue d'un mois écoulé. Pour se dire les choses de la manière la plus claire qui soit, au 1er avril 2022, 58% des nappes en France étaient en dessous de leur moyenne normale. Au 1er avril de cette année, c'est plus 58, c'est 75. La raison est relativement simple. On a commencé cette année avec un gros déficit lié à la sécheresse. On a eu un peu plus de pluie au global, notamment sur l'hémisphère nord. Mais à l'inverse, on a eu à la fois une sécheresse hivernale qui est venue pénaliser une partie de la recharge et une situation catastrophique sur le pourtour méditerranéen avec, par exemple, c'est le cas le plus emblématique et le plus critique que nous ayons en ce moment dans le pays, dans les Pyrénées-Orientales, pas une vraie journée de pluie en 12 mois. Vous avez des petits graphiques qui vous permettent de comparer ces niveaux des nappes entre février 22 et février 23, entre mars 22 et mars 23, et pour se dire les choses, quand c'est jaune, c'est déjà pas terrible. Et donc vous voyez bien, compte tenu de ces graphiques, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les flèches sur le graphique de gauche, elles illustrent ce que les pluies de mars ont permis en termes de recharge à la minute où nous nous parlons, et c'est ce que je vous disais, on a une situation qui est plus favorable dans l'ouest, mais qui est nettement moins favorable dans le couloir rhodanien et dans le pourtour méditerranéen. Je veux bien qu'on avance. Donc,
ces éléments très factuels et très récents vous ayant été donnés, dès le mois de septembre de l'année dernière, nous avons lancé à Marseille un vaste tour à la fois qui a déclenché la mission de retour d'expérience de cet été 2022 et qui a commandé aux agences de l'eau, au comité national de l'eau, à ce qui sont ces parlements locaux de l'eau, des suggestions. On a ajouté ces suggestions, ces mesures et ces propositions et ces demandes, y compris de crédit, aux différents rapports parlementaires qui ont pu sortir au cours de ces dernières années, ou aux rapports d'un certain nombre de structures qui, elles aussi, dépendent du ministère, pour arriver à construire un plan en 53 mesures, avec trois grands axes. Deux qui concernent la quantité, un qui concerne la qualité, et puis des mesures ensuite de gouvernance et de financement qui accompagnent dans ces 53 mesures l'ensemble de ce plan. Avec une idée simple, à partir du moment où nous aurons moins d'eau disponible, il n'y a pas d'alternative à la sobriété. Indépendamment de cette sobriété qu'il faut qu'on soit capable d'organiser, on a en revanche des sources d'optimisation, et les deux sources d'optimisation les plus importantes, ce sont à la fois les fuites d'eau, 20% de moyenne de fuite d'eau en France sur le réseau d'eau potable, 1 litre sur 5 potabilisé qui est perdu, et un deuxième axe qui est la réutilisation des eaux usées, puisque notre pays ne réutilise qu'entre 0,6 et 0,8% de ces eaux usées. Nous n'avons que 77 stations d'épuration sur 30 000 qui utilisent cette eau pour d'autres usages que pour la rejeter dans le milieu, là où nos voisins italiens sont aux alentours de 8 et nos voisins espagnols sont aux alentours de 15, l'exemple extrême étant Israël qui est à environ 85% de réutilisation de ces eaux usées retraitées. Je peux évidemment entrer dans le détail de tout ça. L'idée principale, ça n'est évidemment pas de vous assommer avec ces 53 mesures, c'est peut-être simplement d'insister sur un ou deux points importants. Au-delà de la réutilisation des eaux usées, que nous allons faciliter avec l'ambition qu'il y ait 1000 projets de réutilisation qui puissent être conduits, et en donnant la priorité à des projets de réutilisation qui sont sur le littoral, parce que la réutilisation à l'intérieur des terres, elle permet de recharger les rivières, là où la réutilisation sur le littoral, elle évite d'aller rejeter à la mer, et on n'a pas de problème sur le niveau de la mer, puisqu'au contraire, le dérèglement climatique va même augmenter le niveau des mers et nous poser d'autres difficultés sur l'érosion du trait de côte. On voit bien qu'il y a donc des lieux particuliers sur lesquels nous pouvons avancer là-dessus. Beaucoup d'autres aspects sont traités dans le cadre de ce plan. Un mot sur la qualité. Nous n'avons que 43% de nos masses d'eau en France qui sont en bon état écologique. Ce constat, il n'est pas nouveau, mais il faut mesurer qu'avec la sécheresse, les taux de concentration, et donc avec la diminution de l'eau disponible, les concentrations d'un certain nombre d'intrants augmenteront mécaniquement puisque l'eau dans laquelle ils se situeront sera moins importante. Donc le risque d'avoir des aires de captage en non-conformité augmente avec les situations de sécheresse que nous connaissons. D'où beaucoup de mesures qui sont prises autour de ça, en particulier pour favoriser ou les rachats d'une partie de ces sites par le Conservatoire du Littoral, ou le soutien budgétaire à l'installation en agriculture biologique ou en agroécologie sur ces points de captage qui sont présents sur le territoire. La grande particularité sur la sobriété, c'est le fait de territorialiser la baisse. Je me permets de vous indiquer qu'il y a une énorme différence entre la sobriété énergétique et la sobriété en eau, c'est qu'en matière d'énergie, on est tous dépendants les uns des autres. Et que la situation à Dunkerque et à Marseille, elle est la même au même moment. En matière d'eau, nous ne dépendons pas des mêmes bassins. Au lieu d'être divisé en régions administratives, la France est divisée en 6 bassins et nous habitons chacun là où nous sommes sur un des 1100 sous-bassins qui sont autant d'écosystèmes possibles où les situations sont différentes. Et donc c'est à l'échelle de ces sous-bassins que nous avons à organiser la sobriété. Il n'y a que la moitié de ces sous-bassins à la minute où nous parlons qui sont dotés de plans de gestion de l'eau. Un des premiers axes du plan, c'est d'expliquer qu'il faut que la totalité de ces sous-bassins se dote de dispositifs de ce type et, par extension, que chacun des captages bénéficie d'un plan de gestion sanitaire qui permet de prendre des mesures préfectorales conservatoires en cas de non-conformité. Ça, ce sont des axes essentiels en termes de gouvernance à l'intérieur de ce plan. Pour pas être trop long, j'ajouterai deux éléments qui me semblent extrêmement importants. Le premier, ou plutôt trois, le premier, il concerne le financement.
les demandes des agences de l'eau, elles tournaient aux alentours d'un demi-milliard d'euros, pardon, quand on consolidait leurs mesures. C'est 475 millions d'euros qui sont promis dans le plan et qui expliquent pourquoi les comités de bassin et les agences se sont réjouis de ces annonces qui viennent mettre un terme à des années de baisse, d'autant qu'il y a deux mécanismes que nous faisons, à la fois une augmentation des ressources, mais dans le même temps, ce qu'on appelle la suppression des plafonds mordants, puisque la particularité des agences de l'eau, c'est qu'elles avaient une sorte de double cliquet, à la fois sur leurs dépenses et sur leurs recettes, qui les contraignait, même si elles avaient les fonds, à ne pas pouvoir dépenser, et en plus à ne pas pouvoir lever davantage de fiscalité, puisque si la fiscalité qu'elles levaient dépassait le niveau de leurs dépenses, c'était reversé dans les caisses de l'État, ce qui a conduit à des baisses de ces niveaux de prélèvement au cours de ces dernières années. Deuxième volet, la gouvernance territoriale. Nous avons dans ce pays, à la minute où on se parle, 11 000 services d'eau potable différents. 11 000. Pourquoi? Parce que nous avons encore un émiettement considérable des compétences et des gestions communales dans beaucoup d'endroits. La loi NOTRe a posé comme principe qu'en 2026, nous devions aller vers l'intercommunalité obligatoire. En vérité, plus de la moitié des Français dépendent déjà de services intercommunaux. Malgré le chiffre de 11 000, c'est principalement dans les secteurs les plus ruraux qu'on a encore des gestions communales, et dans les grandes villes, on a d'ores et déjà des services qui sont des services unifiés. Cette situation, elle ne nous pose pas une difficulté de principe, elle nous pose une difficulté devant les faits, et ils sont têtus. La quasi-totalité des communes qui ont été privées d'eau l'année dernière étaient des communes qui avaient une gestion isolée. Pourquoi? Parce que dès que vous avez le moindre problème, si vous n'êtes pas interconnecté à quelqu'un, si le prélèvement dans la rivière n'est plus possible et que vous n'avez qu'un point de captage, bah vous vous retrouvez privé d'eau. Et cette situation, elle explique que dans les 382 communes qui ont été alimentées en citernage et les près de 200 qui l'ont été en bouteille pendant une partie de l'été, nous avons une écrasante majorité, plus de 80%, qui sont des communes isolées. Et nous avons le même phénomène sur les fuites. Je vous ai indiqué quel était le taux moyen de fuite dans le pays, 20%. Nous avons décidé de cibler pour cette année 2023 les 170 communes où le taux de fuite est supérieur à 50% et monte jusqu'à 92,7%. Là aussi, 120 de ces communes sont des communes isolées. L'idée, c'est donc d'assumer le refus des communes isolées de manière à éviter ces problèmes sanitaires et ces problèmes de mauvaise gestion. Là où le président de la République a assoupli les choses à Savines-le-Lac, c'est qu'il a indiqué que l'intercommunalité n'était peut-être pas le chemin à suivre pour tout le monde. Et que, entre le refus de la commune isolée et l'intercommunalité, il pouvait y avoir des discussions, en particulier sur des territoires étendus, sur des territoires de montagne, ou sur des secteurs sur lesquels la topographie pouvait justifier qu'il puisse y avoir une prise en compte différente. Et il me semble que le groupe Liot envisage de reprendre une PPL issue du Sénat sur la gestion de l'eau et de l'assainissement, qui propose d'élargir les possibilités de mutualisation pour ne pas se contenter de l'intercommunalité. Ne prenez surtout pas ces propos comme une sorte de soutien à n'importe quel texte qui serait déposé dans une niche par le groupe Liot dans les prochaines semaines. Enfin, et je termine là-dessus, la mission d'inspection de l'été dernier, elle a émis 18 propositions. 8 sont d'ores et déjà mises en œuvre. 8 figurent dans le plan et 2 d'entre elles n'ont pas encore été prises en compte parce qu'elles nécessitent des compléments. Une porte sur les sanctions et l'effectivité de ces sanctions par l'OFB, mais nous sommes dans la dernière ligne droite de la désignation du nouveau patron de l'OFB, c'est donc avec lui que nous calibrerons la réalité de ces sanctions. Et le deuxième, c'est sur la retenue des grands plans d'eau, pour lequel là, la nécessité de concertation est un peu plus longue qu'une instruction ministérielle, y compris par respect pour les agences de l'eau qui assurent une partie de ces missions. Je pourrais évidemment vous détailler tout ça en large, en long, en travers, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Vous avez le plan, et on pourra répondre à toutes vos questions avec Marc Fesneau à l'issue de ses propos liminaires. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, je vous laisse la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Christophe, Mesdames et Messieurs les députés, affaire de ne pas doubler le temps puisque nous sommes deux. Essayez juste de compléter en disant que moi aussi je suis très heureux d'être là pour, à deux voix, essayer de dire ce les enjeux qu'on a autour de l'eau. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Christophe Béchu très bien sur les enjeux quantitatifs. On est face à l'arythmie, on est face à des contraintes d'eau qui sont liées au dérèglement climatique, qui sont l'arythmie, puis l'évapotranspiration liée en particulier à des épisodes de canicule extrême qui posent évidemment ces problèmes-là. Tout ça, c'est devant nous. Ça veut dire que les experts du GIEC disent en gros la même quantité d'eau sans doute.
quand même quelques territoires plutôt au sud-ouest et au sud-est dans lesquels il y aura sans doute quand même un peu moins d'eau au volume global, c'est ce qu'on est en train de constater, disons les choses comme elles sont, mais globalement un stress hydrique et un stress thermique qui va faire poser un certain nombre de contraintes évidemment aussi sur l'agriculture. Deuxième élément que je voulais dire pour compléter, parce que c'est plutôt dans ce registre-là que je vais être, la volonté que nous avons sur le volet agricole, puisque c'est celui-là qui concentre parfois l'intérêt ou les inquiétudes, c'est de s'inscrire d'abord dans ce qui a été fait dans le Varenne de l'eau, qui avait posé trois principes. Le premier, c'est d'avoir un système assurantiel qui permette de se garantir des événements climatiques, pas seulement la sécheresse d'ailleurs, mais les événements de grêle, de gel et autres. Ça, c'est le système assurantiel qui est en place depuis cette année. Deuxième élément, c'est de poser la question ou poser le principe, dans les cas où c'est possible et où ça a une logique dans le cycle, grand cycle de l'eau ou le petit cycle de l'eau, de regarder la nature des ouvrages qu'il fallait éventuellement élaborer pour faire en sorte qu'on puisse lever la contrainte d'une arythmie de l'eau. Et puis troisième élément, c'est l'évolution des pratiques. L'évolution des pratiques étant entendue d'abord comme les assolements, mais ça peut être aussi le matériel qui est plus économe en eau. Deuxième élément, dire que la stratégie du plan eau pour ce qui est de la partie agricole, c'est une stratégie de sobriété à l'hectare. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, c'est qu'il y a des territoires qui n'étaient pas appelés à avoir besoin d'irrigation, qui risquent d'avoir des besoins d'irrigation. Et en revanche, on a besoin d'avoir un prélèvement qui n'augmente pas sur la période qu'on se donne des décennies, puisqu'on est plutôt sur le pas des décennies. Donc la seule voie qui est possible, c'est la voie de la sobriété à l'hectare. C'est des systèmes qui soient plus économes en eau, c'est des variétés qui soient plus économes en eau. C'est sur tout ce travail-là qu'il faut qu'on fasse et qui soit moins sensible au stress hydrique ou au stress thermique. Évidemment, c'est un élément très important. Pas besoin de vous dire que sans agriculture, il n'y a pas d'eau. Et il me semble d'ailleurs qu'on a un sujet devant nous, y compris d'opinion publique, c'est l'eau qui est prélevée en agriculture, c'est une eau pour l'alimentation. Donc elle est d'intérêt général et d'intérêt public. C'est pas une forme de privatisation pour moi. L'eau, quand elle sert à l'alimentation, elle sert à tous. Donc il faut qu'on essaie de se le dire comme ça, comme l'eau potable d'ailleurs, et comme l'eau qui vise à lutter contre les incendies. Et donc c'est un intérêt général, simplement il faut essayer de la préserver et de faire en sorte qu'elle soit bien répartie. Donc les efforts de sobriété sont nécessaires, et c'est bien comme ça qu'il faut le faire et qu'il faut le penser. Troisième élément que je voulais dire, c'est évidemment le sujet des réserves de substitution. Il me semble d'ailleurs, c'est la voie qu'on doit, me semble-t-il, emprunter. D'abord, c'est un sujet territorial. Je ne pense pas que ce soit un sujet qui puisse simplement descendre de décision nationale. Il me semble que territoire par territoire, on voit bien qu'il y a des territoires qui ont beaucoup plus d'avance que d'autres. C'est pas un hasard d'ailleurs si le président de la République, accompagné de Christophe Béchu, a fait des annonces dans un département ou dans une région qui, depuis très longtemps, monsieur le président, se soucie des sujets d'eau, au pied d'un système d'irrigation qui est très puissant avec une réserve d'eau qui est, je ne sais pas comment la qualifier en termes de volume, si elle est méga, mais elle est méga. Et personne ne reviendrait remettre en cause aujourd'hui, d'ailleurs, l'ouvrage qui a été créé à l'époque, je parle de Serre-Ponçon, et qui a une vocation d'irrigation, qui a une vocation d'alimentation en eau potable, qui a une vocation de maintien des étiages, qui a une vocation touristique désormais. On voit bien d'ailleurs, ceci dit, sur ces outils, et je pense qu'on a une réflexion à mener sur les ouvrages multi-usages. Je pense que c'est mieux quand c'est du multi-usage, ça permet d'intégrer collectivement la contrainte plutôt que chacun gère sa part d'eau sans intégrer collectivement la contrainte. Et je pense que c'est un sujet que nous avons devant nous. Et y compris sur le sujet de Serre-Ponçon, on voit bien qu'il peut y avoir des contraintes amont-aval. Puisque pour qu'il en reste jusqu'à la plaine de Croc, il faut que tout le monde fasse sa part d'effort. Et là, il y a un sujet qu'on va avoir devant nous sur les réserves multi-usages, c'est comment géographiquement ça se répartit entre les différents utilisateurs de l'eau, et pas seulement, évidemment, la question agricole. Quatrième élément, donner les éléments. On est un pays pour lequel 7% de la surface agricole est irriguée, ce qui est beaucoup plus faible évidemment que les Italiens et que les Espagnols, et qui est même inférieur aux Pays-Bas. Donc on essaie de remettre quand même des étiages qui sont des étiages de ceux qui sont ceux de la réalité agricole française. Et donc on a besoin de réfléchir comme ça les ouvrages éventuellement dont on aura besoin. On a deux éléments complémentaires sur lesquels je voulais insister. Christophe l'a dit d'ailleurs. Le premier, c'est au-delà des ouvrages, au-delà de la sobriété, au-delà du travail qu'on doit faire sur les variétés, au-delà d'éventuellement des évolutions de pratiques ou d'assolement, on a la réutilisation des eaux. On est un pays qui est très en retard pour des raisons sans doute de philosophie et de rapport à l'eau usagée et qui explique qu'on soit à 1% quand d'autres. Je ne suis pas sûr qu'on puisse atteindre les seuils d'Israël, mais en tout cas déjà on atteindrait les seuils italiens ou espagnols, on aurait fait une œuvre utile. Et je pense que là on a un travail, mais c'est principalement un sujet de réglementation, et c'est là-dessus qu'il faut, me semble-t-il, qu'on travaille. Il y a un deuxième sujet qui a, je ne sais pas si tu l'as évoqué, Christophe, mais on a déjà des ouvrages existants
La seule difficulté sur les ouvrages existants, c'est que parfois, faute d'entretien, faute de curage, c'est des ouvrages qui sont peu mobilisés. Donc, ce n'est pas des ouvrages qu'il faut créer, forcément. Et on estime, et je pense que vous avez des évaluations OMT plus précises que les nôtres, qu'entre un tiers et un quart de ces ouvrages ne sont pas utilisés. Alors, un quart du volume n'est pas utilisé du fait d'un envasement ou d'autres choses. Donc là, on a besoin, et c'est beaucoup de volume qui pourrait être ainsi mobilisé sur des ouvrages, je le répète, qui sont déjà des ouvrages existants. Et donc, on a besoin de travailler, me semble-t-il, sur cet élément-là. Et puis enfin, dire un mot sur la question, et pour ne pas être trop long, sur la question de la qualité. Christophe l'a dit, on a besoin, notamment autour d'un certain nombre de périmètres de protection de captage. Il serait intéressant de dire quand même qu'un certain nombre de périmètres de protection de captage qui retrouvent des difficultés sont face à des molécules qui ont parfois été interdites il y a 5, 10, 15 ou 20 ans. Donc on n'est plus dans la logique, ce n'est pas simplement la logique de la molécule à interdire, c'est simplement que ces molécules ont été interdites, mais le temps de rémanence, si je peux dire, est suffisamment long, et donc ça doit nous inviter à la modestie, me semble-t-il, sur ces sujets. Enfin, dire un mot juste de ce. Je pense que sur la gouvernance, on a des sujets. Je dis en regardant ce qui est en train de se passer dans les Pyrénées-Orientales, où Christophe était la semaine dernière, où je me rendrai en fin de semaine. On a besoin de poser la gouvernance. Moi, j'ai des interrogations sur. Qui décide des retenues? Qui décide de relâcher les retenues? Qui décide des interdictions? Le cas des Pyrénées-Orientales étant assez emblématique de ce point de vue-là, puisque la retenue est gérée par le département et les interdictions sont gérées par le préfet de département. Et donc, on a quand même un sujet, c'est-à-dire que la politique de gestion quantitative est gérée d'un côté et la politique de restriction quantitative, qui s'entend, hein, est gérée ailleurs. Et donc, on a un sujet. Je l'illustre par ce sujet-là parce que je trouve que c'est très symbolique et j'en finis par là. On a besoin de penser une gouvernance qui soit une gouvernance générale. Et on a besoin, on voit bien dans ce département-là, de montrer que la part des efforts qui sont faits, on est dans un département où l'essentiel des productions impactées, c'est de la prairie, c'est de l'arboriculture et du maraîchage. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un hectare de maïs. Donc, ce n'est pas un sujet de maïs, hein. C'est un sujet de manque d'eau dans un territoire où il n'y a pas d'eau. En tout cas, en particulier cette année. Simplement, la hiérarchie de l'utilisation pose un sujet, parce que c'est un département qui a des besoins agricoles, c'est la deuxième volet économique, mais c'est un département qui a des besoins touristiques. Et si on ne veut pas, nous, me semble-t-il, et notre responsabilité collective, ce n'est pas d'attiser la guerre de l'eau, c'est de l'apaiser. Donc de ne pas être catastrophiste, d'une part, et deux, d'essayer de trouver des répartitions d'usage intelligents. Et le débat qu'on a, ou la discussion qu'on a territorialement dans un département comme celui-là, mais. Malheureusement, ça préfigure sans doute d'autres débats dans d'autres départements, peut-être cette année, mais surtout dans les années qui viennent, puisqu'il faut regarder cette année, mais il faut surtout le plan haut, il a vocation à regarder dans les 10, 20 ou 30 ans. On a besoin de regarder la part que chacun fait d'effort, parce que sinon, là, on va créer de la tension qui sera, à mon avis, intenable pour les uns ou pour les autres. Voilà ce que je voulais juste dire en complément. Merci, messieurs les ministres. Nous en venons aux orateurs des groupes, et pour le groupe Renaissance, la parole est à Sandrine Lefeur, en vous rappelant. Que pour les oraisons, on reste bien sûr 2 minutes, s'il vous plaît, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Donc, la publication du plan eau répond à une urgence que nous percevons désormais avec une forte intensité. Si l'été 2022 a été caractérisé par une série de vagues de chaleur et une sécheresse inédite, l'été 2023 s'annonce pire. Les suivants le seront d'autant plus. Le plan eau associe un large panel de leviers d'action, réduction des usages, optimisation de l'efficacité des réseaux, préservation de la qualité de l'eau, amélioration de la gouvernance et prévention. Chacun d'entre eux devra être soutenu par des moyens suffisants. C'est précisément sur la question des moyens que j'aimerais vous questionner, et en particulier ceux alloués à la sobriété des usages de l'eau en agriculture. Vous le savez, le secteur utilise 58% de l'eau douce en France et certaines cultures sont particulièrement consommatrices, allant jusqu'à consommer un quart de l'eau douce française. Le plan eau alloue 30 millions d'euros à la sobriété des usages agricoles, mais 2 enjeux d'une autre envergure se poseront rapidement, qui nécessiteront encore davantage de moyens. Le soutien massif à la diversification des cultures pour réduire la demande et l'essor des modes d'irrigation compatibles avec le niveau des nappes phréatiques, alimentant des cultures avec parcimonie et alignées avec les critères pédoclimatiques locaux, comme l'écoulement et le bon débit écologique des rivières. Messieurs les ministres, notre groupe aimerait savoir comment vous comptez financer et donc répondre à ces 2 impératifs. Je vous remercie.
Merci, cher collègue. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à Nicolas Dragon. Merci, Monsieur le Président Zulesi, mes chers collègues, messieurs les ministres, vous nous présentez aujourd'hui votre plan eau. Il est vrai que s'il y a bien un élément sur lequel nous pouvons tous nous mettre d'accord, c'est sur l'importance du sujet que celui de l'eau. Cette ressource que l'on a longtemps prise pour acquise, mais qui est plus que jamais précieuse. Pourtant, qu'il est grand le regret que nous avons de voir ce sujet aussi rapidement traité et expédié. En effet, nous n'avons reçu que le dossier de presse comportant vos 53 mesures, qui ne sont en réalité que des annonces, des coups de com', aucun dispositif concret, aucune action réelle, une sorte d'enfumage que l'eau n'arrivera d'ailleurs pas à éteindre. On aurait aimé, pourtant, et il aurait même fallu, un véritable débat au sein de notre Assemblée nationale, avec des échanges constructifs dans l'intérêt de nos compatriotes. Où est cette co-construction, tant vantée dans les médias, mais absente ici. En clair, vous décidez, vous imposez et on devrait s'exécuter. Tout cela alors qu'on aurait pu s'enrichir mutuellement en menant un travail transpartisan avec les élus locaux, en proposant des mesures véritablement utiles, en songeant par exemple à des dispositifs de récupération de l'eau dans les immeubles en construction ou encore des dispositifs de désalinisation que l'on couplerait à nos centrales nucléaires en bord de mer. L'eau, ce bien de première nécessité, n'a jamais coûté aussi cher, alors même que les services concernés n'ont jamais été aussi dégradés. Des milliards de litres fuitent dans les canalisations, car trop souvent délabrées. Où passe donc l'argent des Français ? Pourtant, l'urgence nous commande d'agir sans attendre 2024, 2025 et même plus tard. Pourquoi ne pas avoir réalisé un projet de loi dont on pourrait débattre dès maintenant dans cette Assemblée nationale ? Doit-on vraiment être surpris, je dirais, de l'amateurisme de ce gouvernement, si déconnecté vis-à-vis du peuple français que nous, le Rassemblement national, continuerons toujours de protéger envers et contre tout. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La Française, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour le groupe La Française Insoumise NUPES, la parole est à Gabriel Amar. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Ministres. La question du droit humain à l'eau et à l'assainissement est absolument essentielle. Et je me réjouis donc du fait que cette thématique émerge et que l'ensemble des partis politiques s'en saisissent. Il est en effet difficile de passer à côté entre sécheresse estivale, sécheresse hivernale, feux de forêt, pollution des eaux, polluants éternels et lutte contre les méga-bassines. Toutefois, le plan eau présenté par le président de la République passe à côté de l'essentiel. D'abord, sur les propositions concernant la sobriété de la consommation de la ressource en eau. Le développement d'un éco-watt de l'eau pour se focaliser finalement sur les gestes du quotidien est évidemment un moyen de détourner le regard des questions réellement politiques. En effet, vous évitez tout particulièrement de faire contribuer le secteur agricole, dont l'activité est la principale source de consommation d'eau, 58% selon les chiffres de votre ministère. Le président a en effet affirmé que l'irrigation pourra être maintenue au niveau actuel. De plus, votre plan réaffirme la volonté de construire d'autres bassines d'eau, dont les effets néfastes, notamment en termes d'évaporation, ne sont plus à démontrer. Vous apportez ainsi encore votre soutien à une agriculture productiviste. Dans le domaine de l'élevage industriel, de nombreux scientifiques documentent l'impact de la consommation de viande sur le gaspillage de l'eau. Aucune mesure concrète n'est prise pour endiguer la surconsommation de viande en France. Ensuite, concernant l'état des réseaux de canalisation, le président reconnaît que la situation est alarmante du fait d'un sous-investissement collectif. Mais encore une fois, la réponse que vous prévoyez est bien insuffisante. 180 millions d'euros par an pour les points noirs, 35 millions supplémentaires pour les outre-mer. Mais vous vous trompez d'échelle. Pour véritablement remettre en état nos réseaux de canalisation, il faudrait investir sur l'ensemble du quinquennat 10 milliards d'euros, dont 2,5 pour les outre-mer. Enfin, nous attendons des précisions sur la traduction concrète de la proposition de tarification progressive de l'eau. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Pierre Tête. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, messieurs les ministres. Le 30 mars, Emmanuel Macron a promis une modernisation sans précédent de notre politique de l'eau. Il annonce vouloir économiser 10% de l'eau d'ici 2030. Le problème, c'est que les assises de l'eau concluent il y a 4 ans à peine sous sa présidence
projetait déjà de réduire de 10% les prélèvements d'ici 2025 et de 30% d'ici 2030. Ce premier plan roux qui n'a pas vraiment réussi, ni vraiment été évalué, ne nous incite pas à l'optimisme. En promettant 475 millions d'euros de plus par an pour les agences de l'eau, l'Élysée nous trompe puisque ces crédits ne viendront pas du budget de l'État, mais bien des redevances payées par les clients, donc de la facture d'eau des Français. Parler de nouveaux réseaux alors que les actuels sont à l'agonie et d'économies sur la facture alors que les Français payeront plus, ce n'est pas correct. Les agriculteurs ne sont pas en reste alors qu'on leur demande déjà beaucoup. Le mur administratif et la volonté de mettre fin à brève échéance aux autorisations de prélèvement dans les secteurs en tension doit nous alerter. Les conséquences de telles décisions seraient dramatiques pour nos filières agricoles et donc pour notre souveraineté alimentaire. Il faut simplifier et sécuriser les cadres législatifs et réglementaires, tant pour favoriser la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture et en agroalimentaire, que pour remobiliser des ouvrages de stockage existants et développer de nouveaux projets d'hydraulique, notamment en multi-usage. Nous serons vigilants à toute velléité d'augmentation des redevances aux agences de l'eau, tant pour les agriculteurs que pour les industriels de l'agroalimentaire déjà fortement contributeurs du plan eau. Ce plan eau passe à côté des sujets très importants comme la gouvernance. La Cour des comptes dénonçait récemment une organisation inadaptée aux enjeux de la gestion quantitative de l'eau. Qu'avez-vous prévu pour corriger cette carence et clarifier enfin qui décide de qui a le droit de prélever l'eau quand la ressource se raréfie ? Le groupe des Républicains souhaite que le gouvernement soumettra son plan à un débat au Parlement dans le cadre d'une programmation pluriannuelle ou d'une loi cadre, ce qui nous permettra de vous aider à l'améliorer. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Michael Cosson. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs les ministres. En Bretagne, la qualité de l'eau est un enjeu majeur sur lequel nombre d'acteurs se sont déjà mobilisés et continuent à se mobiliser pour la préserver et surtout l'améliorer, aussi bien dans nos cours d'eau que sur notre littoral. Cependant, les dernières années nous rappellent qu'en plus de la qualité, il faut désormais aborder la question de la quantité. Certaines entreprises ont déjà franchi le pas depuis plusieurs années, je cite la Coperle, mais pour être encore plus ambitieux s'ils n'étaient pas freinés par la réglementation. Et oui, pendant que d'autres s'offusquent, certains s'affairent. Les usages doivent évoluer. Les 53 mesures pour l'eau devraient pouvoir répondre prochainement dans le domaine agricole et agroalimentaire. Un autre domaine doit être exploré et même devenir obligatoire. C'est la réutilisation de nos eaux usées, l'usage des eaux pluviales pour sortir du système tout tuyau, en intégrant des aménagements qui permettent la réutilisation, mais aussi l'infiltration des eaux pluviales. Sur les eaux usées, sa réutilisation pour répondre aux besoins agricoles, industriels ou domestiques, ou l'exploitation des boues d'épuration doivent devenir une obligation pour nos délégataires qui répondent sur le territoire. L'ambition, elle est bien de rattraper notre retard par la réglementation, mais aussi par la recherche pour disposer d'un cycle de l'eau vertueux. Ainsi, les collectivités participeraient à la souveraineté énergétique, à la préservation de l'eau, tout en ayant en ligne de mire la qualité de nos eaux. Ma question sera, de la part du groupe, quelles sont les directives vertueuses programmées dans l'attribution des délégations ou régies afin que celles-ci s'emparent du sujet et répondent aux questions en matière de préservation et d'optimisation des usages de l'eau. Merci, cher collègue. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Stéphane Delautrette. Oui, merci, monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues. Ça a été rappelé par plusieurs personnes dans notre commission. Les épisodes de sécheresse enregistrés ces dernières années, et tout particulièrement l'été dernier, ont montré plus que jamais la nécessité d'anticiper la raréfaction de la ressource en eau qui pourrait, à horizon 2050, priver notre pays de 30 à 40% de sa ressource. C'est donc dans ce contexte particulièrement dégradé que le président de la République a décrit les contours du plan eau du gouvernement qui fait objet aujourd'hui de nos discussions. Dans un premier temps, une vision d'ensemble du plan donne à voir des éléments pour renforcer la sobriété et l'optimisation de la ressource
et je veux en particulier saluer les efforts qui vont dans le sens d'une levée des freins réglementaires entravant le recours aux eaux usées dans de nombreuses activités, je pense en particulier au secteur agroalimentaire. Les acteurs de terrain sont volontaires pour déployer des solutions innovantes. Par ailleurs, nous nous réjouissons de l'attention portée à la question de l'entretien des réseaux qui souffrent depuis trop longtemps d'un sous-investissement chronique. Il sera pour cela indispensable de renforcer plus largement les capacités d'investissement de nos collectivités pour poursuivre ce chantier de la modernisation des réseaux. Je voudrais rappeler que le cabinet Carbone 4 chiffre à 1,5 milliard d'euros les besoins annuels pour moderniser ces réseaux. En revanche, nous ne pouvons que constater le statu quo qui fait l'impasse sur l'agriculture dans ce plan, alors qu'elle représente pourtant 58% de la consommation. Le choix de la responsabilité aurait dû consister à encourager et à accompagner nos agriculteurs vers un modèle plus résilient, plus sobre et donc plus en adéquation avec la disponibilité de la ressource en eau. Enfin, nous prenons acte de l'objectif du président de la République de réduire la consommation d'eau de 10% à horizon 2030, même si cet objectif était déjà prévu par les assises de l'eau de 2019, mais pour 2024 et même de moins 25% pour 2034. Ma question sera donc la suivante. Dès lors, monsieur le ministre, quelles seront les modalités de suivi des indicateurs de réalisation de ce plan eau pour éviter de se retrouver dans cette même situation de retard en 2030. Merci. Pour le groupe Horizon et Apparenté, la parole est à Anne-Cécile Violent. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, chers collègues, nous sommes particulièrement ravis, messieurs les ministres, de vous retrouver aujourd'hui en commission pour discuter du plan eau présenté il y a un peu plus d'un mois maintenant et si crucial pour nos territoires. Je vous interpellais en juillet dernier, au tout début de la nouvelle législature, sur la nécessité de prendre des mesures d'urgence, tout comme des engagements de long terme, et plus récemment sur la question de la réutilisation des eaux. Notre groupe Horizon et Apparenté est heureux de soutenir ce plan eau complet qui se montre à la hauteur des enjeux, tant sur le volet de la sobriété des usages que l'optimisation de la disponibilité de la ressource que sur celui de la qualité. Si ce plan nous satisfait, et nous tenons à vous remercier très sincèrement pour ce plan national et de l'avoir rapidement présenté, nous pouvons peut-être nous questionner sur la suite et peut-être les limites de ce plan. J'ai en effet eu l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs au niveau local ou national, privé ou public, et les débats se sont très souvent orientés vers la question d'une potentielle nouvelle loi sur l'eau pour prendre la suite de celle de 1992 puis 2006. Plusieurs acteurs de la politique de l'eau ont notamment plaidé en ce sens et bien que les débats soient partagés, la question se pose. Bien sûr, beaucoup de solutions sont à portée de main. Vous avez par exemple développé dans les moyens d'atteindre des objectifs une amélioration de la gouvernance de la gestion de l'eau et notamment une modernisation des SAG, les schémas d'aménagement de la gestion de l'eau. Merci, c'était urgent. Par ailleurs, le réglementaire est un levier essentiel et notamment en matière sanitaire. Et nous le savons, les problèmes résident souvent moins dans la loi que dans sa mise en application. Cependant, de nombreux défis se dressent toujours devant nous. Tarification, investissement, modernisation des réseaux, réutilisation des eaux usées, articulation avec les documents d'urbanisme, cohérence entre les acteurs. Ainsi, pensez-vous qu'il serait opportun de réfléchir à une nouvelle loi, plus complète, plus ambitieuse et propice à une mise en œuvre effective de ce plan ? Enfin, étant élue de Haute-Savoie, je suis convaincue que les territoires de montagne sont au cœur des enjeux écologiques et présentent ainsi des spécificités auxquelles nos politiques publiques doivent être attentives. Mais vous y avez répondu tout à l'heure en déployant justement une spécificité de ces territoires et notamment les territoires ruraux. Merci. Donc je vous remercie. Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Marie Pochon. Merci Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, chers collègues. 50 ans après René Dumont, les écologistes alertent toujours sur la raréfaction de la ressource en eau et cette alerte peine toujours à être entendue. Le plan eau en est l'un des nombreux symptômes. En effet, le gouvernement annonce un recul sur l'objectif de sobriété en passant à 10% d'économie d'eau d'ici 2030, alors que l'objectif des assises de l'eau de 2019, sous votre même majorité, était de réduire de 10% en 5 ans et 25% en 15 ans. Ces objectifs, déjà non déclinés, se voient alors des plus grandes sécheresses que nous n'ayons jamais connues, divisées par deux. Messieurs les ministres, comment justifier cette régression incompréhensible à l'heure où on nous dit que la ressource pourrait baisser de 30 à 40% d'ici à 2050 ? Et quelle sera l'applicabilité de cet objectif dans tous les secteurs, y compris l'agriculture, représentant près de la moitié de la consommation en eau du pays, qui est bizarrement absente de ce plan ?
Nous le disons, aider nos agriculteurs, ce n'est pas attaquer les scientifiques et les écologistes qui alertent depuis des années. Aider nos agriculteurs, ce n'est pas non plus organiser des processions pour implorer Dieu de faire tomber de la pluie sur les champs. Aider nos agriculteurs, ce n'est pas prétendre que rien ne devrait changer en perpétuant notre dépendance aux pesticides qui menacent nos sols et notre santé. Aider nos agriculteurs, c'est dépasser les coups de com' pour regarder la réalité en face. Toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins. Toutes les productions ne sont pas adaptées partout. Oui, il nous faut consommer moins de viande, arrêter d'arroser des monocultures de maïs et développer les cultures économes en eau. Aider nos agriculteurs, c'est écouter la science. Cela veut dire concrètement lutter contre l'artificialisation des sols et les pollutions chimiques et remettre en question le modèle dominant de l'agriculture conventionnelle, loin des petits gestes individuels. Vos ministères s'emploient aujourd'hui par tous les moyens à défendre des méga-bassines qui sont en fait des dérogations aux arrêtés préfectoraux d'interdiction des pompages pour certains agriculteurs sur fonds publics. À quand une remise en question de votre modèle ? Je vous remercie. Merci pour le groupe gauche démocrate et républicaine. La parole est à Hubert Vulfranc. Merci Monsieur le Président, Messieurs les Ministres. Le plan eau appelle plusieurs observations pour ce qui nous concerne. Vous le savez, nous inscrivons toute politique publique en la matière, une matière qui relève du bien commun de première nécessité, dans l'accompagnement d'une volonté politique qui se matérialise de plus en plus sur le terrain, à savoir le retour au service public de sa gestion. Et qu'ainsi l'eau ne soit plus considérée comme une marchandise lambda et soit exempte de toute profitabilité privée. Portant cette conviction, nous devons cependant aller au-delà, car deux enjeux majeurs interpellent la ressource. L'impérieuse nécessité de la sobriété, bien évidemment, et l'indispensable garantie du droit d'accès à l'eau pour tous. Or, dans le cadre des modes de gestion, ces deux exigences écologiques et sociales éclairent définitivement, selon nous, le caractère dépassé du système de financement actuel de l'eau. Car baisser la consommation pour s'adapter à l'urgence climatique, mettre en place une tarification sociale progressive, c'est diminuer de fait les recettes pour les collectivités qui ont un mur d'investissement devant elles pour la rénovation, bien sûr, des infrastructures, la sauvegarde de la haute qualité sanitaire des eaux. L'État, la solidarité nationale, doit, selon nous, revenir en force et de manière pérenne aux côtés des collectivités. Voilà la logique pour nous qui serait celle d'un véritable plan national de l'eau que nous revendiquons d'urgence. Pardon. Alors, votre plan introduit-il cette rupture et le vérifie-t-on en termes de moyens ? Les 475 millions d'euros par an supplémentaires et la légitime fin du plafond mordant constituent une amorce qui, cependant, n'augure pas, selon nous, d'un renversement de point de vue politique du gouvernement en la matière. Merci. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, la parole est à David Topiak. Merci Monsieur le Président, Messieurs les Ministres. Selon l'ANSES, dans son rapport du 6 avril, un tiers de l'eau potable distribuée en France serait non conforme à la réglementation. Elle est notamment polluée par les métabolites du chlorothalonil, un pesticide interdit en 2019 et dont les filières de traitement conventionnelles ne parviennent pas à se débarrasser de certaines molécules. Et les données sur les effets sanitaires restent pour l'instant très lacunaires. Un plan de rattrapage sur la qualité de la ressource est donc nécessaire. Or, le constat de la contamination des ressources hydriques par les micropolluants, les métabolites de pesticides et des PFAS est quasi absente du plan eau. Comment l'État compte-t-il donner les moyens pour traiter, pour financer notamment les nouvelles filières de traitement toujours plus coûteuses pour lutter contre la concentration des molécules qui sont issues des pesticides interdits, mais aussi issues de pesticides encore autorisés comme le S-métolachlore, ou encore des molécules issues des médicaments qui vont être prochainement recherchées dans l'eau. Autre sujet concernant la ressource, vous avez évoqué, M. Béchu, tout à l'heure, la nécessité de préserver plusieurs ressources, notamment pour l'eau potable, avec différents points de captage pour sécuriser l'approvisionnement. Il existe aujourd'hui des schémas départementaux d'alimentation en eau potable qui ont été rédigés il y a plus d'une vingtaine d'années, la plupart du temps, par des départements. Aujourd'hui, ces schémas ne sont plus pilotés, il n'y a plus de gouvernance. Ils sont obsolètes. Ils préconisent pour la plupart de regrouper des syndicats de l'eau, de supprimer certaines ressources d'eau, certains points de captage. C'est
en contradiction totale avec ce que vous préconisez. Il me semble qu'il y a donc urgence à ce qu'on envisage aussi de remettre une gouvernance sur ces schémas et de prévoir une révision conforme aux objectifs que nous définissons aujourd'hui. Merci aux orateurs des groupes pour leur intervention. Messieurs les ministres, je vous laisse le soin de répondre. Alors, on va essayer de faire ça à deux voix. En et sachant, pas de faire orateur par orateur, excusez-moi, parce que vous imaginez bien que le sujet suscite beaucoup d'intérêt. On a d'ores et déjà une vingtaine de questions. Une vingtaine de questions. Une petite vingtaine de questions. Bon, je forme l'espoir qu'au travers de certaines des réponses, on satisfera votre curiosité sur une partie de ces questions et que du coup, on pourra se concentrer sur celles qui n'ont pas du tout été évoquées. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais donc je vais peut-être plutôt essayer de répondre plutôt que de répondre à chaque orateur par grand type de questions que vous avez posées. Je vais commencer par le financement. Il y a eu plusieurs remarques sur le financement, sur les modes de gestion, sur les niveaux financiers. Deux ou trois éléments. D'abord, je dis à Hubert Vulfranc, avec le respect que je lui porte, que il n'y a pas de corrélation entre le mode de gestion et le niveau de performance du réseau. Il y a des régies dans lesquelles on a des taux de fuite qui sont énormes. On a des systèmes de délégation qui ont plutôt un meilleur rendement parce que le prix payé est un peu plus élevé. Et donc, à la fin, le type de gouvernance et le fait de savoir s'il faut que ce soit un service public ou s'il doit être délégué n'est pas un élément qui est probant au moment où on fait un plan haut. Ça pourrait relever de d'autres logiques, mais pas de la question de la quantité et de la qualité telles qu'on les évoque. Deuxièmement, sur le chiffrage. J'ai entendu beaucoup de choses. Il me semble utile de vous rappeler que les financements de l'agence de l'eau jouent d'abord un rôle d'effet de levier. Les dépenses pour l'eau, ce ne sont pas que les dépenses des agences de l'eau. C'est 20 milliards par an. Sur ces 20 milliards, on a environ 2,2 milliards qui sont le budget des agences de l'eau consacrées à l'eau. Nous estimons, pas nous, certains ont cité I4CE, d'autres des think tanks ou des études diverses avec des chiffres multiples sur le milliard et demi qu'il faudrait par exemple consacrer chaque année sur les réseaux. C'est très simple. Le plan, il permet 6 milliards d'effets de levier. Et vous avez en gros un rapport de 1 à 10 entre la somme que vous mettez et les investissements que vous générez. S'il y a 180 millions d'euros qui sont prévus sur les fuites, c'est parce que nous estimons à 1,8 milliard l'effort qu'il faut être capable annuellement de conduire sur les réseaux pour vous répondre de manière extrêmement concrète. Donc, ce sont bien ces chiffrages-là sur lesquels nous sommes appuyés et ce sont les éléments qui proviennent des comités de bassin et des agences. Comment se fait le delta ? Il se fait avec les aquaprès de la Caisse des dépôts et consignations qui sont prévus et à partir d'un principe, c'est que l'eau paye l'eau. Aujourd'hui, il y a des territoires dans lesquels l'eau ne coûte presque rien parce qu'il y a eu des refus de faire des travaux sur les canalisations et pour lesquels on a des taux de fuite importants. Il ne serait pas juste qu'on demande à des gens qui ont payé l'eau à un tarif normal de se retrouver à payer une deuxième fois pour les endroits où on ne paye pas l'eau à son juste prix. Et donc l'enjeu, c'est d'avoir un effort qui soit un effort partagé. Quel est le prix moyen de l'eau en France ? Eau et assainissement. Un foyer, c'est 120 mètres cubes de consommation par an. Un foyer moyen paie en moyenne 4 euros de mètre cube. Mais la variation, elle va de 1 euro sur un certain nombre de territoires à des tarifs qui peuvent être beaucoup plus élevés. Sur les redevances. Si la facture des redevances était répercutée, je pense particulièrement aux interventions qui ont eu lieu sur le fait de savoir qui va payer, comment les choses se font. Deux éléments. Si les redevances étaient répercutées sur les foyers, ça correspondrait à l'équivalent d'environ 1 euro par mois et par foyer, en termes de projection. L'ambition du gouvernement, mais qui fera l'objet d'une présentation dans le cadre du PLF, c'est de rééquilibrer une partie de ces redevances, notamment pour que la production électrique nucléaire, qui finance aujourd'hui une part extrêmement marginale sur le financement global de l'eau, soit davantage mise à contribution et qu'on ne soit pas sur un copier-coller de la part agricole, de la part des particuliers et de la part des centrales sur le financement global. Et donc les 475 millions ne vous seront pas proposés en termes de répartition de manière homogène par rapport au pourcentage qui existe, mais ça c'est un élément budgétaire qui devra faire l'objet d'une présentation. Ensuite, j'ai entendu le représentant du Rassemblement National faire dans la nuance pour le commentaire plusieurs éléments. Un, j'ai compris dans son intervention qu'il remerciait le président Zulesi d'avoir organisé ce débat. Et je m'associe à ses remerciements, qui permettent que nous ayons cette présentation.
Quelques-unes de ces mesures devront faire l'objet d'une validation législative, pas toutes. Et vous ne pouvez pas à la fois pointer le fait qu'il y aurait une forme d'urgence à agir et de l'autre regretter qu'il y ait certaines mesures qui puissent être prises de manière réglementaire et encore moins que la concertation elle se soit faite avec les élus locaux et avec les comités de bassin. Et je dois dire que ça n'est pas une piche nette aux représentants des Républicains, mais Martial Saddier, par exemple, à la fois salué le plan, il a fortement contribué à son élaboration parce que nous nous sommes appuyés sur des élus de droite et de gauche partout sur le territoire qui sont engagés dans ces responsabilités qui nous ont aidés à piloter ou à mesurer ce qui était souhaitable. C'est pas le plan du gouvernement, c'est la co-construction avec l'ensemble des comités de bassin et du comité national de l'eau dans lequel on retrouve la totalité des acteurs. Je précise à M. Dragon que je vais mettre sur le compte du fait qu'il a lu en diagonale le dossier de presse, qu'il nous suggère d'aller faire de la récupération dans les immeubles. Ça s'appelle effectivement la récupération des eaux grises. C'est prévu dans le plan, avec cette idée de manière très simple que nous pourrions demain utiliser plutôt l'eau des machines à laver pour le mettre au fond des toilettes plutôt que de continuer à avoir de l'eau potable sur cet aspect. Nous ne visons pas les particuliers. L'éco-watt de l'eau, il vise simplement à faire en sorte de responsabiliser et de sensibiliser tout le monde. Le chiffre de consommation en France, c'est 148 litres d'eau par jour et par personne. 148 litres d'eau par jour et par personne. Des efforts de sobriété, y compris à ce niveau-là, existent. Il y en a évidemment à faire dans l'industrie, il y en a dans l'énergie, il y en a à l'hectare dans l'agriculture. Mais passer à côté, ce serait ne pas totalement toucher la cible, y compris parce qu'une économie d'eau, elle est surtout précieuse pendant l'été et que nous avons malheureusement des déplacements touristiques dans les secteurs qui sont souvent en plus fort stress hydrique pendant ces périodes. C'est vrai pour tout le pourtour méditerranéen. Je n'ai pas détaillé la situation de l'eau outre-mer. Et je voudrais préventivement, s'il devait y avoir des questions, vous présenter des excuses sur le fait de ne pas l'avoir fait. On va à la fois actualiser les cartes pour présenter les territoires d'outre-mer. Ce que je peux dire, c'est que les taux de fuite en outre-mer sont supérieurs à ce qui existe en France, ce qui explique les niveaux de financement qui sont prévus et les 35 millions d'euros par an qui génèrent l'équivalent de 400 millions complémentaires de soutien sur ces réseaux. Que là où nous avons la situation d'eau potable la plus critique, c'est à Mayotte. En particulier parce que la saison des pluies est terminée, qu'il n'a pas plu assez et que compte tenu des afflux de population, nos infrastructures ne tiennent pas. Une nouvelle usine de désalinisation ouvrira à la fin de l'année, mais elle ne permettra pas d'éviter des restrictions et ça alimente une partie des frictions qui existent dans l'île et qui explique aussi la situation que nous connaissons dans un autre contexte. Le taux de fuite le plus dégradé, c'est la Guadeloupe avec 60% en moyenne de fuite sur les réseaux pour que le dispositif soit complet. La désalinisation, ça me permet de répondre là aussi, n'est pas une bonne idée partout. Elle peut ponctuellement donner un coup de main. Le risque, si vous avez des niveaux de sécheresse trop élevés, c'est que ce ne soit pas l'eau de mer qui soit transformée en eau douce, mais que vous finissiez par infiltrer avec de l'eau de mer une partie des espaces qui sont à l'intérieur. Et ça, ça pose évidemment des difficultés, et ça explique pourquoi, au-delà du coût énergétique très important, se dire que c'est par la désalinisation qu'on arrivera à régler le problème est une fausse bonne idée. Je ne dis pas qu'elle est partout à écarter. Je dis que de penser que c'est la ressource magique, ce serait une fausse bonne idée. Ensuite, sur la question qui a été faite, je laisserai évidemment en grande partie Marc Fesneau répondre sur toute une partie des usages. Sur la question de la réutilisation des eaux usées, beaucoup l'ont souhaité, elle est en place. Sur la question de la gouvernance, nous laissons la restriction à la main des préfets parce qu'ils font un arbitre. Et que dans ce contexte, c'est y compris le modèle qui est souhaité par les comités de bassin. Ce que je dis pour la réutilisation des eaux usées vaut pour beaucoup de ceux qui se sont exprimés. J'ai parlé de sobriété. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi sur l'eau? À ce stade, notre priorité, elle était de faire en sorte d'apporter à la fois des réponses à la situation qu'on a vécue l'an dernier et de poser des bases qui, pour un certain nombre, ne sont pas législatives. Ce sont 500 chantiers qui ont été lancés depuis l'été dernier pour aller sécuriser des réseaux d'eau et faire en sorte d'aller accompagner des sécurisations d'eau potable sur un certain nombre de secteurs. Et ça, c'est un chiffre de chantiers en cours ou de chantiers terminés qui ont été lancés l'été dernier. En parallèle, les mesures qui sont présentées, certaines pourraient nécessiter des approfondissements législatifs et certaines même le nécessiteront. Je pense par exemple à la mesure 35 qui répond à la question de M. Topiak sur la compétence départementale qui prévoit de clarifier le fait qu'un département peut se réintéresser à un schéma départemental de l'eau parce qu'ils ont été mis sur pause à l'issue de certaines lois avant l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République qui avait, en spécialisant les compétences, conduit
à interdire au département de s'aventurer sur des compétences qui n'étaient pas les leurs. La demande unanime de l'ADF est qu'on puisse permettre au département qui le souhaite de rejouer un rôle, et il faudra trouver un véhicule législatif, une PPL qui traiterait d'eau et d'assainissement, et qui permettrait de reprendre cet article consensuel sur lequel l'ensemble des départements et le gouvernement sont d'accord. Si je poursuis très rapidement, la tarification sociale dont un certain nombre d'entre vous ont parlé, nous pensons qu'il est souhaitable qu'elle soit progressive. Nous respectons la libre administration des collectivités territoriales, le fait qu'il peut y avoir une tarification sociale, mais on pense qu'il faut sortir d'une logique dans laquelle on paye moins cher le centième mètre cube que le premier, parce que ça va à l'inverse complet et des besoins sociaux et de la logique qui consiste à faire en sorte que ceux qui ont davantage puissent payer plus. Une étude et une réflexion est demandée au CESE sur le sujet pour que nous puissions nous appuyer là aussi sur des expertises diverses. Sur la qualité, vous avez une dizaine de mesures qui sont présentées dans lesquelles je n'ai pas eu effectivement l'occasion de rentrer. Je rentrerai peut-être sur certaines de ces questions s'il y en avait. Et je pense à très grands traits avoir évoqué une partie de ces sujets. Je terminerai par Madame Pochon. Non pas que j'ai des critiques particulières à formuler. Je veux simplement dire ceci. On peut, sur la question de l'eau, se renvoyer la balle sur un certain nombre de sujets. Quelle que soit la couleur des gouvernements qui existent en Europe, la situation de la sécheresse, elle touche les pays dans lesquels il y a des écologistes aux responsabilités et ceux où ils ne sont pas. Elle touche des pays dans lesquels des écologistes ont été aux responsabilités et n'ont pas pris des décisions ou ont pris des décisions qui ne sont pas suffisantes, et des pays dans lesquels on peut considérer que les trajectoires n'ont pas été la bonne. Il faut se garder dans ce domaine de simplification extrême. Et je crois profondément à la nécessité de regarder territoire par territoire. Ça vaut pour les projets de retenue. On ne peut pas traiter de la même manière le fait d'aller pomper dans une nappe phréatique ou le fait d'utiliser de l'eau de pluie en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, surtout si c'est par exemple pour permettre de ralentir le retour à la mer. Quand on parle de nappe, il faut regarder l'état des sous-sols. Est-ce qu'on est sur un sous-sol karstique ou est-ce qu'on est sur un sous-sol qui ne l'est pas? Parce que là aussi, si ce sont des nappes qui sont fuyantes, ça n'a évidemment pas les mêmes impacts que si les nappes ne le sont pas. Et donc si on simplifie les choses à l'extrême, on finit par présenter les choses avec un degré de précision qui ne correspond pas à la réalité. Surtout si là aussi on est sur des débats qui sont trop basiques. Oui, on a une consommation de viande à l'échelle mondiale qui est à diminuer. Et le fait d'avoir des prairies en France qui participent au stockage du carbone, si on les remplaçait demain par des territoires de plantation de végétales spécialisées, ça poserait d'autres difficultés dans les équilibres globaux qu'il faut avoir. Et on a déjà des marges, compte tenu des niveaux d'importation de viande que nous avons, qui ont une empreinte carbone encore plus forte que celle que nous produisons ici, compte tenu des services qui peuvent être rendus par ailleurs. Donc, cette approche-là, si elle n'est pas globale et qu'elle est ou dans la caricature ou dans l'outrance, elle aboutit à la fin à des contresens comme celui de considérer qu'il y a un accaparement par les agriculteurs en oubliant que la part de consommation par l'agriculture, c'est en fait notre part de consommation dans la nourriture à la fin. Et là aussi, si nous étions complets, une partie de l'empreinte hydrique de notre pays, elle est liée à ce que nous consommons et à ce que nous portons. Et je me permets de vous indiquer que un des axes essentiels, c'est l'énorme niveau de consommation hydrique du secteur du textile. Nous ne produisons que 3% du textile que nous portons dans ce pays. Un jean, c'est en moyenne 8000 litres d'eau pour être fabriqué. La lutte contre l'ultra-fast fashion ou ce genre de choses, ça participe aussi d'un équilibre écologique qu'il faut être capable de voir en n'étant pas uniquement concentré sur nos usages, comme il ne faut pas qu'on soit uniquement concentré sur nos émissions quand on parle de gaz à effet de serre, mais qu'on garde aussi notre empreinte liée à des schémas de mondialisation qui ont été parfois trop poussés. Simplement trois éléments de réponse. Le premier, c'est à plusieurs reprises, certains d'entre vous ont dit que l'agriculture n'est pas traitée. Bien sûr que l'agriculture est traitée, elle est traitée dans les différents volets d'ailleurs qui sont indiqués, à la fois sur la qualité, l'optimisation de la ressource et la question de la sobriété. Et donc on a évidemment cette question-là qui est devant nous, sachant qu'on est dans un modèle, je répète ce qu'on a dit avec Christophe Béchu, où l'appel théorique d'eau est supérieur demain qu'aujourd'hui. Simplement, on dit qu'on ne peut pas en appeler plus en volume, et que donc ça nécessite de la sobriété à l'hectare. Et c'est déjà un défi immense qu'on demande à l'agriculture, parce qu'il y a des territoires qui vont être face à des difficultés qui sont immenses. Deuxième sujet, sur la question des moyens. Les moyens, ils sont à la fois dans ce qu'on a déjà mis, je pense à ce qu'on a mis sur France Relance, avec différents outils à la fois sur le stockage, à la fois sur des moyens plus économes en eau, et deuxièmement, ce qu'on va mettre aussi dans France 2030, et enfin, dans ce qui a été dit, de moyens complémentaires qu'on va mettre au travers des programmes portés par les agences de l'eau.
et qui peuvent être complétés. D'ailleurs, il y a beaucoup de territoires qui le font par les moyens qui sont mis par les régions ou par d'autres collectivités qui décident elles-mêmes de se saisir de la question. Je trouve d'ailleurs, pour faire écho à ce que je disais de la question territoriale, qu'on aurait tout intérêt à ce que collectivement, on s'en empare, l'État, les collectivités locales, pour faire en sorte qu'on montre qu'on fait un effort commun ou qu'on va dans la même direction, et je trouve que ça permettrait d'apaiser les débats. Enfin, à deux ou trois reprises, ça fait écho à ce qu'a dit Christophe Béchu, j'ai entendu que, au fond, c'était assez simple, il fallait changer de modèle. Alors, pardon, je ne veux pas donner le sentiment de m'acharner, mais Madame Pochon, vous vivez dans la Drôme. Vous êtes l'élu d'une circonscription dans la Drôme. Et la circonscription dans laquelle vous êtes est une circonscription où je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'hectares de maïs. Donc le sujet pour nous, dans ce département, c'est que, comme dans d'autres, c'est qu'un certain nombre de gens puissent accéder à l'eau, c'est pour qu'on puisse continuer à avoir de la lavande, pour qu'on puisse continuer à avoir du maraîchage, pour qu'on puisse continuer à avoir de la vigne. Parce que si le modèle que vous proposez, c'est quoi en alternative à ces productions-là ? C'est des territoires qui sont déjà sous la contrainte de l'eau et qui ne viennent pas se divertir sur des productions où déjà est la contrainte de l'eau fond, qui ne peuvent pas y accéder. Et donc, donner le sentiment, c'est ce que ça fait écho à ce qu'a dit Christophe Béchu, qu'il y a une mesure uniforme. Je rappelle que pour produire un kilo de blé, il faut deux ou trois fois plus d'eau que pour produire un kilo de maïs. Est-ce que pour autant, sauf que la différence, et c'est là qu'on peut avoir une difficulté, c'est que l'appel d'eau du blé n'est pas à la même période que l'appel d'eau du maïs. Attendez, laissez-moi terminer. Mais c'est quand même de l'eau qui est prélevée aussi par le blé dans la réserve et dans la quantité des 500 milliards de mètres cubes. Eh oui, et donc si on est dans le cycle global, dans les 500 milliards de mètres cubes, et si on poursuit le raisonnement tel que vous le faites, ça veut dire qu'il faudrait faire moins de blé par rapport au maïs, d'une certaine façon, parce que la quantité d'eau disponible, elle est quand même de 500 milliards. Donc on a besoin de raisonner par territoire. Et vous ne nous entendez pas dire que dans certains territoires, y compris ceux parfois qui font l'objet de vos préoccupations, en Poitou-Charentes, l'assolement de maïs, il a déjà été réduit de 25 à 30%. Je veux dire, ne croyez pas qu'on part de rien. Par ailleurs, les prélèvements d'eau sur les réserves de substitution comme sur les nappes avec piézométrie, vous ne prélevez pas ce que vous voulez. Vous prélevez en fonction du niveau des nappes. Ce n'est pas open bar. Ça ne marche pas, on ne tourne pas le robinet dans notre affaire. Et donc, partir du sentiment que rien n'est fait. Troisième élément, on demande, vous la première sans doute, qu'on soit plus autonome et qu'on ne dépende pas pour l'alimentation animale du soja brésilien. Alors, vous croyez qu'on fait quoi pour ne pas dépendre du soja brésilien ? On peut faire des prairies, mais c'est quand même beaucoup moins énergétique. Je parle sous l'œil de gens qui connaissent. Par ailleurs, les prairies elles-mêmes sont en difficulté face au dérèglement climatique. Vous allez en parler aux gens du Massif central. Et donc, si je ne peux pas faire de prairies, il faut bien que j'ai un petit complément qui soit ou du soja en France, mais ça a besoin d'eau, ou du maïs aussi, parce que ça permet de réassurer une autosuffisance en alimentation animale dont on a besoin. Et donc, si on demande à ce que... On ne peut pas demander à l'agriculture tout et son contraire. On demande à ce qu'on ne vienne pas importer des produits pour lesquels on considère qu'il y a des appels d'eau trop élevés ou des pratiques agricoles qui ne conviennent pas. Et dès lors qu'on leur demande de dire « Par ailleurs, je vous rajoute une deuxième contrainte, c'est impossible de le faire chez vous. » Parce qu'à ce moment-là, je ne connais pas l'équation. Ça ne veut pas dire que les modèles alimentaires ne vont pas évoluer. Mais les gens du Massif central, ils ont besoin d'eau. Et ils ont besoin d'assurer plus fortement aujourd'hui, demain qu'aujourd'hui, leur autonomie fourragère, globalement. Et si je leur dis simplement, il suffit, monsieur, de changer de modèle, il y a de quoi nourrir une forme de désespérance. Toute production agricole a besoin d'eau. Vous connaîtrez, je ne connais pas beaucoup de production végétale qui est moins de 90% d'eau dans ce en quoi elle est composée, y compris la salade, y compris les tomates. Donc tout a besoin d'eau. Et donc si le seul motif qu'on peut évoquer, c'est celui de dire qu'il faut changer les cultures, on fait une erreur. La valeur énergétique d'une salade, ça n'est pas la valeur énergétique d'un kilogramme de blé. Vous pouvez manger 5 salades, ça ne fera jamais un kilo de blé, en valeur énergétique. Et donc cette espèce de transfert théorique qu'on fait, pardon de le dire comme ça, vous nous dites qu'il faut se baser sur la science. Ben, je nous invite sur les valeurs énergétiques, sur les valeurs de qualité de l'eau, sur les valeurs de quantité, sur les valeurs de réappropriation de la souveraineté alimentaire, de se fonder sur la science. Et M. Dumont, à qui vous faites écho, et qui est pour moi une figure intéressante de l'écologie, parce que c'était une figure pas dogmatique, mais c'était une figure pragmatique. Et j'invite à ce qu'on essaie d'œuvrer avec pragmatisme sur ce sujet-là, pas en donnant des injonctions en permanence contradictoires sur le sujet. Et donc on a besoin de faire évoluer, je suis pas,
Bah, où je suis dans la caricature. On a besoin de faire évoluer. Vous ne m'entendez pas dire qu'il ne faut pas faire évoluer les modèles. D'ailleurs, les agriculteurs font évoluer les modèles. Mais si vous mettez des ruptures dans le système, Madame Pochon, si on met des ruptures dans le système, on fait collapser le système. C'est comme ça que ça se passe, parce que nous ne sommes pas une île déserte. Les Français consomment de l'alimentation, végétale ou animale. Et donc, pensez que tout seul, nous sommes sur une île déserte. Regardez les Italiens, c'est 25 milliards de mètres cubes, les Italiens qui prélèvent. Nous, c'est 3 en agriculture. Croyez pas qu'on est déjà plus vertueux que bien des pays ? Les Espagnols, c'est plusieurs dizaines aussi. Donc, on ne part pas d'un système... Mais on est dans le même espace européen, pardon, Madame Pochon, on n'est pas au Brésil, là. Et donc, on a quand même besoin de regarder ce que font les autres. Ça ne veut pas dire que l'agriculture ne doit pas faire sa part d'effort. Vous ne m'entendez pas dire ça. Mais la rupture qui, au fond, n'est pas une rupture, mais qui est la fin de la capacité à produire, est un problème. Et dans votre département, dans les Pyrénées-Orientales, je vous assure que le sujet, c'est la gestion de l'eau. C'est pas de changement de modèle, parce que vous leur proposez quoi, je répète, en alternative à l'arboriculture et à l'élevage, sans maïs dans ces territoires. Quelle est l'alternative ? Bon, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'essaye pas pacifiquement de répondre à cette question sans rentrer dans le dogme, on n'y arrivera pas, Madame Pochon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des territoires où il y aura besoin de moins d'appels d'eau ou d'évolution des pratiques ou d'évolution des variétés pour être plus économe. Voilà ce que je veux dire tout simplement pour dire évidemment que l'agriculture est au cœur du sujet puisqu'elle est une grande part aussi des sujets de prélèvement. Merci, messieurs les ministres. Chers collègues, nous en venons aux questions, de sorte à ce que nous puissions libérer monsieur le ministre de l'Agriculture qui a une obligation juste après cette commission. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre en priorité, chers collègues, s'il vous plaît, nous allons prendre en priorité les questions qui relèvent de l'agriculture. Donc ce que je vous propose, c'est que vous puissiez... Alors, attendez, parce que je ne vais pas pouvoir noter tout le monde. Donc on prend les questions sur l'agriculture, monsieur le ministre répond, et on le libérera par la suite. Donc, c'est parti, madame Stenbach, Terre Noire, je vous en prie. Merci, monsieur le président, messieurs les ministres. Le président Macron donc l'a dit lui-même le 30 mars, le changement climatique va nous priver de 30 à 40% de l'eau disponible dans notre pays à l'horizon 2050. Comment pouvez-vous dès lors faire l'impasse dans votre plan sur l'une des activités les plus gourmandes en eau, l'agriculture intensive et plus particulièrement l'élevage industriel ? J'insiste, la culture du maïs représente à elle seule 60% des surfaces irriguées et entre 20 et 24%, donc un quart du volume d'eau douce consommée en France. Et la finalité première, c'est nourrir les animaux d'élevage, notamment poulets et cochons, majoritairement élevés de manière industrielle. Résultat, il faut 7 900 litres d'eau pour produire un kilo de protéines carnées. Il est là le gaspillage. Et l'élevage industriel, il est aussi responsable de 74% de l'eutrophisation des espaces aquatiques, qui provoque notamment le phénomène des algues vertes en Bretagne. Donc c'est pas un petit sujet, quoi. Monsieur le ministre, face aux effets désastreux de l'élevage industriel sur la ressource en eau, quand allez-vous agir, interdire les fermes-usines et mettre en œuvre, puisqu'on parle de sobriété, une véritable politique pour plus de végétalisation de notre alimentation, merci, comme le recommandent le GIEC et les plus grandes organisations environnementales. Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Lisa Bellucco. Merci. Merci, monsieur le président. Alors, juste pour rappel, monsieur Fesneau, vous avez dit aux agriculteurs de la FNSEA le 30 mars dernier qu'ils n'auront pas d'efforts supplémentaires à faire. Donc, ne dites pas maintenant qu'il ne faut rien changer, puisque c'est ce que vous avez dit. C'est pas l'objet de ma question. Alors, vous deviez vous rendre demain dans mon département pour visiter un lycée agricole et entendre les conclusions de la concertation régionale pour la LOA. Comme vous avez annulé votre venue pour des raisons d'agenda, je vais vous donner l'une de ces conclusions en avant-première. Certaines personnes concertées proposent de désanctuariser les zones humides pour pouvoir y installer des réserves de substitution. Un étudiant en agronomie qui était présent a même cru qu'il s'agissait d'une coquille tant l'approche paraît à rebours de tout impératif écologique. Quand on sait l'intérêt des zones humides justement pour permettre l'infiltration et le maintien de l'eau dans le sol, sans parler des autres intérêts écosystémiques, comment recevez-vous cette proposition ? Et monsieur Béchu, cette question pourrait vous intéresser aussi. J'aimerais aussi votre point de vue de ministre de la Transition écologique sur ce sujet, alors que le plan zone humide 2022-2026 vient d'être lancé par votre gouvernement. Merci. La parole est à René Pilato.
Merci. Alors, moi qui suis chargé d'une mission sur l'eau dans le cadre de l'industrie, l'énergie, l'agriculture et le tourisme, j'ai une question assez simple. On se rend compte que l'Espagne a exporté énormément d'eau puisqu'elle a permis de nourrir, je dirais, en légumes, énormément de pays européens. Nous allons avoir un problème de gestion de priorité et ma question va venir sur la gouvernance. Dans la gouvernance générale que vous avez citée, quelle priorité va donner l'État afin de préserver notre eau? Est-ce qu'on doit effectivement produire de l'alimentation qui va servir à l'exportation via tout ce qui est agroalimentaire? Est-ce qu'on va se contenter de produire uniquement ce dont on a besoin? C'est toutes ces questions sur lesquelles moi j'aimerais être éclairé. Merci. Merci. La parole est à Jean-François Lovisolo. Merci Monsieur le Président. Messieurs les ministres, dans un contexte de sécheresse, l'État s'achemine vers des arrêtés départementaux prévoyant différents niveaux d'alerte et des mesures de vigilance et de restriction pour chaque niveau. Mais la pression médiatique, on le voit aujourd'hui, est forte et le risque de voir édicter des mesures de restriction uniformes ne tenant pas compte de spécificités locales et des différents usages. Ainsi, la crainte des agriculteurs est de voir appliquer les mêmes restrictions à l'eau d'irrigation prélevée dans les milieux et à l'eau prélevée dans les réserves stockées, dont la vocation est justement de pouvoir être sollicité en période de sécheresse sans impacter les milieux naturels. Messieurs les ministres, je souhaite tout d'abord vous sensibiliser sur l'absence de fondement réglementaire à considérer sur le même plan les prélèvements dans les milieux naturels qui sont fragilisés et les prélèvements dans les ressources stockées. Aussi, il faut bien entendu parler des mesures de restriction sur les ressources stockées, cependant il convient dans la répartition des stocks de bien objectiver au préalable l'impact de toute mesure de restriction afin de préserver les usages prioritaires comme l'eau potable et l'agriculture qui répond à un impératif de souveraineté alimentaire. Merci, la parole est à Jean-Luc Fugit. Merci Monsieur le Président, messieurs les ministres, merci pour la présentation de ce plan eau qui inscrit notre pays dans une démarche intéressante de planification de la gestion de la ressource en eau. Je voudrais attirer votre attention sur le secteur agricole, notamment face à une situation paradoxale que nous subissons dans le département du Rhône où je suis élu. Nos agriculteurs se concertent pour rénover ou créer des retenues collinaires de taille raisonnable. Ils obtiennent assez souvent les autorisations nécessaires à ces réalisations, mais ne sont pas toujours éligibles aux aides publiques car ces projets sont situés dans ce que l'on appelle les zones rouges. Aussi, Vinci, faute de moyens insuffisants, de nombreux projets ne peuvent pas voir le jour, ce qui est une aberration car ils sont autorisés par la police de l'eau. Alors, ma question est donc simple. Les mesures que vous proposez me permettront-elles de mettre fin à ce paradoxe? Et j'insiste en précisant que ces projets, comme par ailleurs le travail autour de la mise à disposition d'une partie de l'eau stockée dans des retenues privées, permettraient d'éviter aux portes de Lyon la disparition de l'agriculture nourricière dont notre bassin de vie a tant besoin. Merci. La parole est à Loïc Prudhomme. Merci, Président. Monsieur le ministre, il faut se baser sur la science pour évaluer avant de décider, mais l'ANSES n'a pas vocation à décider de tout, tout le temps, en dehors du champ européen et sans jamais penser les conséquences pour nos filières. Citation du ministre Fesneau le 30 mars 2023 au congrès de la FNSEA. Monsieur le ministre, il semble que la science vous dérange, surtout quand notre agence sanitaire interdit enfin l'herbicide S-métolachlore dont les métabolites cancérigènes sont partout dans nos masses d'eau. Vous remettez directement en cause l'indépendance, certes perfectible, de l'ANSES, uniquement pour complaire au lobby de l'agriculture chimique. Le fait que ce pesticide soit cancérigène et que des millions de concitoyens en boivent tous les jours passe au second plan. Le fait que l'agence soit également sous la tutelle des ministères de l'écologie et de la santé ne vous préoccupe pas plus. Du haut de votre vision productiviste de l'agriculture, vous vous estimez seul compétent pour discuter les décisions de sécurité sanitaire du pays. Monsieur le ministre, quand allez-vous troquer votre veste de VRP de l'industrie phytosanitaire pour celle de ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation en charge d'engager le pays dans l'impérative transition agroécologique? Je vous remercie. Merci. La parole est à Hubert Hoth. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais juste intervenir pour dire que peut-être les problèmes que nous connaissons à propos de cette ressource en eau, absolument vitale, hein, je crois que c'est un débat qui doit être pris extrêmement au sérieux. Et là, j'en appelle à tous les collègues. Hein, je pense que moralement, on n'a pas le droit de faire de la politique. Là, il faut faire uniquement de la responsabilité. Et je remercie les ministres d'être présents. Et je voudrais poser la question au ministre de l'Agriculture. N'est-ce pas maintenant une opportunité pour encourager, renforcer la dynamique de diversification, et cette fois à l'échelle des bassins systémiques qu'a évoqué monsieur le ministre Béchu, pour,
pour justement répondre de façon multifactorielle aux questions qui se posent actuellement en termes de difficultés climatiques. La diversification résoudra des problèmes liés à la résilience, merci, celle de la biodiversité. N'oublions pas le lagunage qui peut compléter les techniques habituelles d'assainissement. Et enfin, pensons à transmettre à tous nos élus de territoire le sujet de la grande conscience qu'on doit avoir, merci, face à l'eau et notamment des périmètres de protection des captages pour lesquels il existe des arrêtés préfectoraux, merci, qui ne sont pas forcément mis en application. Merci. La parole est à Nathalie Bassière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous apprenons que 30 millions d'euros supplémentaires par an seront consacrés au soutien des pratiques agricoles. Pouvons-nous considérer que c'est bien l'ensemble de tous les agriculteurs de toute la France qui seront bien concernés par ces aides? J'entends par là même les territoires ultramarins. Je vous remercie. Et enfin, si je n'ai oublié personne, Monsieur Bonny. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, dans votre plan eau, vous avez opté pour une stabilisation des prélèvements du secteur agricole contre des changements de pratiques significatifs, comme la conversion à des cultures moins voraces en eau ou un virage agroécologique. La profession est un peu désorientée face à une feuille de route aux injonctions aussi contradictoires qui légitiment en même temps le modèle actuel et une transition périlleuse vers une nouvelle carte de la France agricole. Les 30 millions d'euros que vous promettez dans ce but au secteur lui paraissent-ils suffisants? Les agriculteurs redoutent un renforcement excessif de l'éco-conditionnalité des aides et une mise en œuvre à sens unique de la logique pollueur-payeur qui ne valoriserait pas leur action pour la nature. Pouvez-vous les rassurer sur ce sujet? Enfin, comptez-vous lever les contraintes qui limitent la possibilité de stocker de l'eau entre le 1er novembre et le 31 mars ou de désenvaser des fossés ou des étangs sans attendre le feu vert de l'administration ou de laisser, merci, faire la nature? Merci. Merci, chers collègues. On a pris toutes les questions sur l'agriculture. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Je vais essayer de répondre à toutes. Je commence par la dernière, Monsieur Decker. Non, pardon, Bonny, pardon. Vous êtes toujours avec M. Decker, c'est pour ça que comme vous êtes sur le même banc. Monsieur Bonny, pardon. Monsieur Bonny. Mais vous êtes toujours ensemble, c'est pour ça. Vous êtes les jumeaux du Cantal. Vous m'entendrez jamais dire que le statu quo, c'est la voie. Vous dites qu'il va y avoir une modification de la géographie agricole. À la vérité, ce n'est pas nous qui allons modifier la géographie agricole, c'est le climat. Monsieur Bonny. C'est quand vous avez des territoires où vous avez 100 mm en moins ou une arythmie comme celle-là, ça va modifier les paysages. Mais ce n'est pas l'histoire du gouvernement ou de l'agriculture, c'est l'histoire du monde. C'est l'histoire de l'agriculture. Et il y a des territoires qui vont avoir des contraintes différentes aujourd'hui qu'elles n'en auront demain. Et donc ne pas dire ça, mais à la vérité, le monde agricole le sait. Et donc c'est ça auquel il faut faire défi, parce que vous dites, on essaie de faire quelque chose qui soit... C'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. On a besoin, en conscience, de dire aux agriculteurs, parce que aller dire des carabistouilles aux agriculteurs, c'est la pire erreur qu'on puisse faire et qu'on a parfois fait depuis des décennies. C'est rien va changer. Tout va bien. Bah non, ils le savent. Le dérèglement climatique, c'est l'activité agricole est la seule activité qui dépend principalement de ce qui se passe dans le ciel. Donc quand vous avez cette difficulté-là, évidemment, ça va impacter les secteurs agricoles. Et je le disais d'ailleurs tout à l'heure, dans le Massif central, on voit bien que les surfaces fourragères, les surfaces de prairies permanentes sont très durement impactées par le dérèglement climatique. Même s'il continue à pleuvoir, vous avez des périodes où vous avez beaucoup moins d'eau, et ce qui était quelque chose que vous ne connaissiez moins dans des territoires comme les vôtres. Et donc, il faut quand même qu'on pense le système et qu'on dise qu'il y a besoin de faire évoluer le système. Et donc, les 30 millions d'euros, ils viennent s'ajouter à des mesures qui existent déjà dans les agences, ils viennent s'ajouter à France 2030, ils viennent s'ajouter à ce qu'on a fait dans les dispositifs, ils viennent s'ajouter d'ailleurs au système de la PAC. Le seul sujet, c'est qu'on arrive à mener non pas des ruptures, parce que je ne crois pas à la rupture dans des systèmes qui sont des systèmes biologiques, qui ont besoin de temps. On a besoin d'assumer le temps de la transition. Et assumer le temps de la transition, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas la transition. C'est juste qu'on a besoin de dire voilà le point A, voilà le point B, voilà comment on essaie de faire les choses. Et donc on a, me semble-t-il, des éléments à faire. Ça me permet de répondre à la question sur l'outre-mer. Une partie est là, une partie est dans une enveloppe spécifique pour les outre-mer, parce que là on a des sujets particuliers, 35 millions, qui sont particuliers. Qui sont supplémentaires pour faire en sorte de répondre aux défis particuliers des Outre-mer. C'est vrai Christophe le disait, on n'en parle pas toujours assez dans nos volets, même si c'est toujours présent en fait dans nos volets, mais
évidemment, pardon, de pas le signaler de ce point de vue-là. Et donc, on a besoin, Monsieur Bonny, de travailler là-dessus. Deuxième élément, sur la question des pratiques agricoles, évidemment, on a besoin de faire évoluer. Alors, je remercie Monsieur Prudhomme de sa question, comment dirais-je, tout en nuance. Mais ça n'est pas... Ça, l'absence de nuance ne m'empêche pas d'essayer, moi, d'être nuancé dans ces sujets-là. J'ai dit quoi ? J'ai dit que, sur le, ce qu'a dit le président de la République, Christophe Béchu, sur le volume global, on peut toujours, derrière un bureau, expliquer aux gens que quand vous avez autant de stress hydrique et des températures comme celle-là, il faut qu'ils prélèvent moins d'eau. On dit juste qu'il faut qu'on ait une meilleure sobriété à l'hectare et que donc il y a des efforts à faire de sobriété à l'hectare. Premier élément. Deuxième élément, vous ne m'avez jamais entendu dire qu'il ne fallait pas tenir compte de la science. Personne, et certainement pas moi, ne vient remettre en cause ce que dit l'ANSES ou ce que dit n'importe qui. Allez, laissez-moi finir. Vous-même, vous avez des amis sur la question de la grippe aviaire qui me réclament en permanence d'aller à l'inverse de ce que dit l'ANSES, par exemple sur la claustration des animaux. Et qui me disent, faut pas faire comme dit l'ANSES. Donc comme quoi, vous êtes capable de dire qu'il faut challenger. Pourquoi ? Parce que vous me dites, le bénéfice-risque entre la claustration sur les élevages diotarsiques de votre grande région et les autres, ben vous pensez que l'ANSES a tort, alors que l'ANSES dit qu'il faut les claustrer parce que c'est mieux pour lutter contre la grippe aviaire. Et personne ne vient vous dire que vous remettez en cause l'ANSES et que vous êtes vendu au lobby de je ne sais pas qui. Monsieur Prudhomme, si on pouvait être un peu plus subtil dans la façon de s'exprimer, de dire les choses, ça serait mieux. Je vous assure, pour tout le monde, ça serait mieux. Le sujet le mérite. Ce sujet-là le mérite. Je sais que c'est un effort pour vous, mais vous verrez, une fois que vous aurez passé cet effort, ça ira beaucoup mieux pour tout le monde, y compris pour vous. Vraiment, je vous le conseille. Le matin, le midi et le soir, d'ailleurs. Alors, ce que je vous dis là-dessus, c'est la question, l'ANSES juge sur la partie scientifique, elle pondère parfois d'autres considérations, et je dis une deuxième chose, je dis, nous ne sommes pas, monsieur Prudhomme, je sais c'est ce que vous croyez, nous ne sommes pas sur une île déserte. Donc, si je prends une décision en France et que la décision européenne arrive dans 5 ans, l'effet, c'est que, et que je ne peux pas fermer mes frontières aux Allemands, aux Italiens, ou alors, vraiment, on est dans un système que je ne sais plus reconnaître. À ce moment-là, j'ai des produits qui viendront d'Allemagne, d'Espagne ou de l'extérieur des frontières européennes par des gens qui ne respectent pas nos pratiques. Moi, je n'ai pas envie d'importer des pratiques dont je ne veux pas. Et donc, on a besoin d'une synchronisation. Est-ce que c'est une... Monsieur Prudhomme, est-ce que c'est une offense de dire qu'on a besoin de synchroniser les calendriers ? Est-ce que ça remet en cause l'analyse scientifique ? Non. Je dis simplement, c'est pas mal qu'on se mette au même niveau parce qu'il y a quelque chose qui vous a échappé. On est dans un marché unique. Ou un marché commun. Et donc, on a besoin de travailler sur ces deux pieds. Madame, vous avez parlé de la question de la restitution sur le PLOA, sur les questions des zones humides. Non, ni Christophe Béchu, certainement, mais pas plus le ministre de l'Agriculture. J'essaie de vous répondre sur les zones humides. Ni le ministre de l'Agriculture que je suis ne vienne remettre la question des zones humides. On peut avoir des propositions avec lesquelles on n'est pas d'accord. Hein. Vous savez, je l'assume aussi. Hein. Ça n'empêche pas qu'on puisse, dans certains endroits, avoir besoin de réserves. Donc n'essayons pas aussi, c'est pas ou zone humide ou rien. Et donc si vous me dites, c'est sûr, je connais pas le détail de la proposition, c'est, on vient faire des réserves, d'ailleurs aujourd'hui on ne peut pas le faire, je parle sous le contrôle de Christophe Béchu et de ses équipes, on ne peut pas faire aujourd'hui, dès lors que c'est une zone humide avérée, un ouvrage. D'ailleurs donc vous m'entendrez pas aller faire le jusqu'au boutiste non plus de l'autre côté. Et donc, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut pas raisonner sur la question des réserves. Je dis une chose au passage. Puisque personne n'a prononcé le mot dans la salle, mais moi je le prononce. Sainte-Soline, tellement vilipendée, 21 millions de mètres cubes prélevés à horizon de la fin du projet, 14 millions de mètres cubes, 21 millions de mètres cubes qui étaient prélevés l'été. À l'horizon du projet, 6 millions de mètres cubes prélevés l'été, avec des engagements sur la plantation de haies, des engagements sur la réduction des produits phytosanitaires, des engagements sur la modification des assolements. Si ce projet-là, on ne l'accepte pas, où est la modification et la transition qu'on veut ? Comment on y arrive ? Si on décourage eux, y compris en montant en grade sur les exigences qu'on peut avoir, c'est-à-dire de dire on peut avoir accès à l'eau, mais ça porte des exigences complémentaires, si ça, c'est pas encouragé, on met juste le système en rideau et en impasse. Et moi, je pense que c'est, de ce point de vue-là, une erreur. Il y a une question qui a été posée sur la question de l'Espagne qui exporte, au fond... Alors, il y a deux sujets. Déjà, alors, sur le végétal et sur l'animal... Reconquérir notre souveraineté, déjà, ça serait une bonne chose pour la France. Après, il faut faire attention quand même, je le dis, quand on est dans un modèle de dérèglement climatique comme celui qu'on connaît, je ne sais pas construire, parce qu'on est sur de la matière vivante. Ce n'est pas une voiture qu'on met dans un tunnel et qu'on produit en mettant des facteurs de production. Moi, je mets des facteurs de production en septembre, je ne sais pas au bout ce que ça donne. Attendez, je finis.
Ce que je veux dire par là, c'est que pour assurer la sécurité alimentaire, si tout le monde dans le monde disait « moi je produis, je mets juste les facteurs de production pour produire mon autarcisme », le jour où vous avez un pet climatique grave, vous êtes mort. Donc on a besoin d'avoir un système où on ajuste par le stockage d'ailleurs la production pour faire en sorte que les années où il y en a moins, bah, d'autres pour nous pourvoient ou nous on pourvoit, et donc il ne faut pas renoncer à la vocation exportatrice. Il y a des pays, il se trouve que j'ai été, ce qui n'était pas trop mon habitude, un peu en dehors de mes frontières, de département et de France, vous avez des pays, ils sont face à un dérèglement climatique où ils ne pourront plus produire. Hein. Et donc on aura besoin quand même, parce que c'est l'intérêt géopolitique, c'est l'intérêt humanitaire, que de faire en sorte que ces pays-là, on puisse pourvoir à leurs besoins, pas de façon déréglée nous-mêmes. Mais s'il vous plaît, chers collègues. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il faudrait regarder il faudrait regarder production par production. Moi, ce que je veux, c'est qu'on reconquiert, parce que l'Espagne, c'est en particulier sur les fruits et légumes. On a besoin de reconquérir cette production, et donc on a besoin d'eau dans nos territoires pour pouvoir le faire. Donc la limite n'est pas facile à faire, que selon les productions, c'est évidemment différent. La question de l'élevage, oui, la tendance naturelle, c'est qu'on consomme un peu moins de viande et on consomme un peu plus de végétaux. Mais quelqu'un peut-il me dire dans cette salle, et quelqu'un est-il allé à l'extérieur de cette ferme, qu'est-ce que c'est qu'une ferme-usine et l'élevage industriel? C'est quoi le nombre? Et personne ne me répond jamais à ça. Ben si, parce que regardez à l'extérieur de vos frontières nationales et vous verrez ce que c'est que de l'élevage industriel. Pardon. Et donc, si c'est pour que ce soit les élevages des autres qui viennent nous nourrir, en volaille, il nous manque 50% de production. Donc il va nous falloir plus d'élevage en volaille. Sinon, ça sera de la volaille brésilienne. Alors, j'ai rien contre les Brésiliens, mais ça va voyager avec du carbone, hein. Oui, d'accord, mais alors vous faites un article de loi, il est interdit de manger de la volaille, article 2, il est interdit. Enfin, je veux dire, on vit dans un pays où on ne marche pas comme ça, sinon c'est un peu dangereux, moi, je trouve, comme système. Mais d'accord, mais là, pour l'instant, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour l'instant, j'essaie, je sens que ça a plu, mais pour l'instant, on a besoin de mettre en adéquation la demande de consommation et l'offre. Ça ne veut pas dire que la tendance générale n'est pas un glissement de l'un vers l'autre, mais pardon. Dire brutalement « je cesse le système quand j'ai 50% de la volaille consommée en France qui n'est pas d'origine française » et penser que c'est juste en disant « il faut réorienter la consommation », c'est, pardon, de le dire, d'être hors de la réalité. Et donc j'ai besoin d'être dans la réalité. Sur aucune production de viande, on est autosuffisant. Donc c'est quand même un sujet, me semble-t-il, et c'est un élément important. Deux éléments, pardon, je suis trop long. Les usages prioritaires, ça c'est un sujet, monsieur Lovisolo, que je ne vois plus, mais... c'est les usages prioritaires. Ça, c'est une question qu'on a, qui est une question compliquée selon les territoires, d'ailleurs, parce que selon les territoires, les besoins et les appels ne sont pas les mêmes. Hein. Ici, c'est la grille, là, c'est le tourisme. Enfin, il y a des territoires qui n'ont pas les mêmes besoins. Là, vous avez des industries, là, vous avez des usines, des unités de production nucléaire. Les appels d'eau ne sont pas les mêmes selon les territoires. Donc, c'est difficile de répondre d'un point de vue académique. Monsieur Fugit, sur la question des zones rouges. D'abord, pas que local, un peu au ras. Et là, hop, M. Bonny relève la tête. Pourtant, la question du zonage est une question qui est un débat européen et pas un débat national, comme vous le savez. On est en train de regarder, c'est l'état de la nappe qui justifie du zonage. Alors, les zonages n'ont pas été étendus excessivement, comme vous le savez, dans les régions, parce que, évidemment, ne pas pouvoir dire on a un sujet de gestion de l'eau et en même temps pas pouvoir faire des ouvrages qui permettraient de limiter les difficultés de gestion de l'eau, ça serait sans doute une erreur. Mais on essaie de travailler, mais c'est un sujet et un débat qu'il faut mener, me semble-t-il, au niveau européen. Et puis, dernier point sur la différenciation, en fait, ce que vous évoquez, M. Hoth, c'est évident. Alors, je ne suis pas étonné que ce soit vous qui posiez la question en bon alsacien que vous êtes, mais la question... Ça, c'est monsieur, c'est vous qui levez la tête aussi, du coup, mais chacun se reconnaîtra. Mais non, on a besoin, moi, je pense, pour être sérieux, une seconde sur le sujet, on a besoin d'avoir une gestion... nettement territorial, et c'est pour ça que je rejoins ce qu'a dit Christophe Béchu pour finir. On ne peut pas raisonner de manière générale d'un point de vue national sur ces affaires-là. Les difficultés ne sont pas du tout les mêmes d'un territoire à l'autre. Il y a des sujets, quand vous êtes sur la crise qu'on a dans les Pyrénées-Orientales, qui est une crise récurrente et dramatique, c'est
à peine 200 mm d'eau en 13 mois. Vous voyez ce que ça peut représenter, hein ? Dans les territoires chez nous, on en a 500, 600. Massif central, c'est encore plus que ça, bien évidemment. Vous n'êtes pas du tout. Donc, on a besoin de penser différemment. Vous avez des endroits où vous avez des nappes. Des endroits où ce n'est pas les nappes, le sujet. Vous avez des endroits où les réserves, c'était les glaciers. Mais dans 30 ans, il n'y a plus de glaciers. Donc, comment on fait ? Donc, c'est comme ça. Et donc, c'est territorialement. Et donc, ça appelle à la différenciation. Et moi, je pense que ça appelle à la mobilisation, y compris en gouvernance. Plusieurs d'entre vous en ont parlé, de l'ensemble. Ce n'est pas une affaire que de l'État, cette affaire d'eau. C'est une affaire des régions, des départements, des EPCI, des communes, sur les questions qualitatives, sur les questions quantitatives et sur la question des ouvrages à créer. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et les endroits qui marchent le mieux, moi, je trouve comme ça à voir, hein, c'est les sujets, c'est les territoires, je pense, à la région sud, ou Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme on veut. C'est les régions qui, depuis longtemps, se préoccupent et qui ont modélisé, au fond, la coopération entre eux. Parce que ces terres, ils sont mis... On a besoin d'acculturer beaucoup plus des territoires. Moi, je suis dans une région où on n'avait pas trop l'habitude de la contrainte d'usage. Et donc ça, il faut qu'on arrive à le faire. Et c'est aussi une des vocations, me semble-t-il, du plan eau. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci de votre présence. Et quoi qu'on pense sur la politique que vous menez à la tête de votre ministère, je ne crois pas qu'il y ait eu... À deux reprises, un ministre de l'Agriculture qui vienne dans la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire en moins de un an. Merci, monsieur le ministre. Nous en venons à la suite de nos questions. Alors, nous allons un peu innover, si vous le permettez, chers collègues, puisque l'objectif, c'est qu'on puisse avoir quelque chose d'encore plus dynamique. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une question, que le ministre réponde et que... de sorte à ce que ça se fasse un peu ping-pong. C'est une volonté d'un certain nombre de collègues de pouvoir avancer dans ce sens. Et si vous voulez bien, exceptionnellement, c'est moi qui commence par répondre parce que la moitié de la question de Mme Belloukoum m'était adressée sur ce que je pense des zones humides et de la façon de les préserver. Et donc, si j'applique la règle de la minute, j'ai le droit à 30 secondes. Ah ben allez-y, je vous en prie. Il y a donc 50 millions d'euros sur les 475 qui sont spécifiquement dédiés aux zones humides. Ça, c'est le premier engagement qui montre que ce n'est pas du tout un petit sujet. Deuxième truc, cette année, nous sommes dans la remise à plat de la SNB. Et il y aura une large part pour les zones humides en complément du plan 2022-2026. Il faut qu'on arrête de jouer avec ces zones humides, il faut qu'on les sanctuarise. Et c'est clairement une priorité, et vous aurez l'occasion de le revoir. Et c'est déjà dans le plan. Excellent, en 30 secondes. Monsieur Stéphane Buffou, la parole est à vous. Merci, monsieur le président. Ravi d'inaugurer cette séance de ping-pong. Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la désalinisation. C'est un sujet dont je voulais reparler. Vous avez mis en avant tout à l'heure les territoires littoraux pour la question de la réhut. Votre collègue Bérangère Couillard est venu au Sable d'Olonne la semaine dernière sur ce sujet-là et a signé un accord avec le CEREMA. Et moi, je m'étonne que sur le plan eau, la question justement de la désalinisation, même si j'en connais les freins, ne soit pas plus largement évoquée. Il y a eu des expérimentations, en particulier sur l'île de Groix, qui ont montré leur efficacité. Vous avez parlé tout à l'heure des territoires d'outre-mer qui sont également concernés. Et encore une fois, je suis surpris que sur le volet recherche et innovation, on n'aille pas un peu plus en avant sur ce sujet-là. Parce que compte tenu de ce qui nous attend dans les années à venir, je crois qu'on a là un vrai gisement, sans faire de mauvais jeu de mots, de disponibilité de la ressource en eau. Donc, plus qu'une question, je lance un appel ce soir en audition et en commission pour que ce sujet-là soit remis sur la table à la hauteur de ce qu'il pourrait nous apporter en réponse au stress hydrique des prochaines années. Merci beaucoup. Ça sera donc l'appel du 3 mai. Très bien. Merci, monsieur le député. Très rapidement. Pour faire un litre d'eau douce à partir d'un litre d'eau de mer, on produit 1,5 litre de saumure. On a à la fois un coût qui est entre 50 et 80 fois plus cher qu'un litre d'eau potable normale. On a des émissions de gaz à effet de serre importantes parce qu'on a beaucoup besoin d'énergie. Et on a ce problème de saumure et de concentration. Ces saumures, elles provoquent aujourd'hui des excès de salinisation qui menacent les corails ou une partie des fonds marins aux bordures immédiates de ces usines de désalinisation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que quand vous n'avez pas le choix pour les pays du Golfe, pour Mayotte, pour un certain nombre de secteurs, je dis juste qu'aujourd'hui, compte tenu de l'eau dont on dispose, aller dans cette voie, ça pourrait à certains égards jouer aux apprentis sorciers. Là où je vous donne le point, c'est sur l'intérêt qu'il y aurait à pousser la recherche et le développement.
Parce que là, objectivement, on voit que des techniques de membrane, par exemple aux États-Unis, permettent d'aller limiter une partie de ces rejets, que des usages d'une partie de ces saumures pour faire la fertilisation peuvent servir. Mais encore une fois, ce serait une fausse bonne idée de penser que c'est avec ça qu'on va résoudre notre problème. Mais j'entends le point sur la R&D. La parole est à Nicolas Thierry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite évoquer la question de la qualité de l'eau, qui, vous le savez, est étroitement liée à l'aspect quantitatif. La qualité est la grande absente de votre plan. Pourtant, les sujets ne manquent pas. Au contraire, l'avalanche de scandales sanitaires est particulièrement déroutante. Sur les pesticides qui contaminent notre eau, votre plan prévoit de maigres incitations à réduire leur usage dans les aires d'alimentation de captage. Première question, pourquoi ne prévoir aucune interdiction des pesticides les plus problématiques au cœur de ces zones les plus sensibles ? Autre point, votre plan ne dit rien, par exemple, des pesticides utilisés près des cours d'eau ou des côtes, et on sait à quel point ces zones sont vulnérables. Enfin, dernière question sur les PFAS, autre source de contamination massive de l'eau. Sur ce sujet, votre plan est tout simplement muet, alors que le rapport PFAS commandé par le ministère de l'écologie préconise la surveillance des eaux potables. Cette mesure n'est pas non plus présente dans le plan PFAS du gouvernement. Pourquoi alors, dans le cadre de ce plan eau, ne pas instaurer un contrôle obligatoire des PFAS dans les eaux de consommation ? Merci pour vos réponses. Monsieur le ministre. Très bien. La première mesure qui est la plus importante, c'est le fait de dire qu'il y aura un plan de gestion sanitaire pour chaque point de captage. Ça peut d'ailleurs sembler assez absurde qu'on ne dispose pas déjà de quelque chose de ce type. Avec la fermeture préfectorale des endroits dans lesquels on aura des dépassements de seuil. Pour votre info, on a 3000 aires de captage à la minute où nous parlons qui sont fermées, qui sont interdites compte tenu des niveaux de concentration que vous évoquez. Ensuite, sur ce qui concerne les pesticides, les intrants de manière générale. L'idée, dans un plan y compris à 53 mesures, on aurait pu en rajouter encore beaucoup, mais il y a un moment où ça finit par être contre-productif. Vous avez la dizaine de mesures que j'évoque, aux alentours des mesures 23 ou 24 jusqu'à 32, qui précisent les mesures de qualité, et y compris qui disent que le plan éco-phyto que nous devons relancer et amplifier, parce que le précédent n'a pas été un succès en termes qualitatifs, devra être dupliqué dans ces PGSE. Ensuite, sur les PFAS, on est au tout début de l'histoire. Il y a quelque chose qui est passé inaperçu, c'est que le G7, à Sapporo, des ministres du climat a pour la première fois appelé à se pencher sur la question des PFAS, alors que la seule précédente mention internationale, c'était Stockholm, en 2009, et seulement pour trois catégories de PFAS, là où on s'occupe de toutes. Les mesures que nous avons lancées en janvier pour avoir une connaissance plus approfondie, et la mission parlementaire qui va être confiée à M. Isaac Sibyl sur le sujet, vont être des leviers supplémentaires pour nous permettre d'aller plus loin. Merci, la parole est à Yannick Horry. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous nous avez indiqué que seulement 1% des eaux traitées dans les stations d'épuration étaient aujourd'hui recyclées, alors que les performances de ces stations sont de plus en plus élevées pour répondre aux normes de rejet. Vous nous avez indiqué que nous étions loin des 85% d'Israël et de certains pays. Alors quelle modalité, quelle obstacle faut-il lever rapidement, obstacle administratif peut-être, pour un réusage rapide de ces eaux et quelles sont les modalités auxquelles vous pensez pour un réemploi? Alors, ce que je partage, ancien élu du littoral, c'est le fait que sur le littoral, l'été, avec l'afflux touristique, on produit énormément d'eau dont on ne sait pas trop quoi faire, qu'on évite de rejeter en mer et qu'un réusage serait extrêmement bénéfique, utile. Merci, monsieur le sénateur. Le chiffre, c'est 0,8%, mais quand vous dites qu'on est à... Monsieur le député, pardon, c'est les questions au gouvernement de tout à l'heure, parce que j'ai croisé votre collègue de Loire-Atlantique. Ça y est, je suis totalement perturbé. 0,8%, c'est le niveau moyen de réutilisation. Et effectivement, l'enjeu, c'est de déverrouiller des freins qui sont des freins du ministère de la Santé et de l'ARS. À partir d'une idée simple, c'est que globalement, le principe de précaution élargi à la question de l'eau fait que partout, on considère que c'est préférable d'avoir de l'eau potable plutôt que n'importe quelle autre source. C'est ce qui explique l'interdiction d'utiliser les eaux grises dans le fond de la cuvette des toilettes. C'est au cas où un enfant boirait l'eau qui est dans le fond de la cuvette qu'on exige que ce soit de l'eau potable. Donc on voit les marges que nous avons. 1000 projets vont être autorisés. Pourquoi 1000? Parce que ça nous permet d'avoir une première vague d'expérimentation avec des projets qui sont ciblés. Nettoyage de voiries entre Cannes et Antibes. Possibilité d'aller faire en sorte d'arroser les pelouses ou les espaces verts sur une partie de ces usages. Et je vous confirme que ces eaux usées sont potentiellement potables. Les champions du monde, ce sont des entreprises françaises. Qui fait aujourd'hui la réutilisation des eaux usées dans les territoires qui nous entourent, Italie et Espagne, ce sont des entreprises françaises. Le chiffre, c'est 77 stations d'épuration sur 30 000 qui aujourd'hui pratiquent de la réutilisation. L'enjeu, c'est de monter, mais je le redis, ça n'est pas non plus une solution miracle, parce que si je prends un rejet d'eau usée qui permet de remettre de l'eau dans une rivière à l'intérieur
de la terre, je n'ai pas le même impact que si je suis sur le littoral, où là j'ai un gain immédiat dans les endroits où j'ai les stress hydriques les plus importants et au moment où, compte tenu des touristes, j'ai les besoins qui sont les plus élevés. Merci, la parole est à Nicolas Dragon. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci pour vos réponses de tout à l'heure. Alors, sans aucune polémique, j'ai lu dans le plan haut le point 28, je l'ai lu, je cite « qu'en cas de dépassement des exigences de qualité fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine par un pesticide toujours utilisé, des mesures de gestion permettant de juguler le risque seront mises en place ». Alors, quid des pesticides comme les métabolites de chloridazone ? Retrouvés dans l'eau potable d'une vingtaine de communes de ma circonscription dans l'Aisne, ce pesticide autorisé fort longtemps et utilisé en toute légalité par nos agriculteurs, je préfère préciser ce point car ils n'y sont pour rien, a depuis été interdit le 1er janvier 2021. Depuis quelques mois, certaines communes, du fait de dépassements métabolites, je pense notamment au village d'Utuel ou encore Merlieu et Fouquerolles, dont les habitants se ravitaillent en pack d'eau depuis plusieurs semaines et dont la solution proposée à Madame le maire de Merlieu, c'est de se raccorder à un réseau voisin pour diluer la présence de ces métabolites. Seulement, l'opération nécessite un important investissement qui approcherait les 800 000 euros à débourser pour un village de 260 habitants. Merci. Que compte faire l'État pour aider les élus, les habitants de ces communes désemparées ? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Parfait. D'abord, Monsieur Dragon, et ça n'est pas une proposition en l'air. Si j'ai le moindre contact avec des maires de votre circonscription et que vous faites en sorte qu'effectivement on puisse avoir un contact avec eux, on regardera dans le détail comment, via le préfet, on pourra activer une partie des mesures d'urgence qui ont été décidées. Parce que vous répondre de manière précise sur une commune de quelques centaines d'habitants de votre circonscription, ça relèverait d'un exercice de pure communication et ce n'est pas ce à quoi j'ai envie de me livrer. En revanche, cet article 28 ou cette mesure 28, elle dit bien ce que ça veut dire. Quand on dépasse, on interdit le captage. Et on trouve des solutions alternatives. Et on n'est pas dans une situation où on tend le dos et on se dit qu'à un moment ou à un autre, ça va passer. Quand on a des informations scientifiques, on va au bout. Et de ce point de vue, les interconnexions et le fait d'éviter d'avoir des gestions isolées nous ramènent à un moyen puissant pour l'avenir d'éviter ce type de situation avec, dès qu'on a une aire de captage sur laquelle on a ce type de difficulté, des conversions agricoles, agrobiologie, bio, comme je l'ai évoqué, c'est financé par le plan. La parole est à Pascal Boyer. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous avons l'habitude de dire dans les Hautes-Alpes, heureusement, que le barrage de Serponzon a été construit aujourd'hui, car aujourd'hui, ce ne serait plus possible. Et que ferait-on en 2023 sans Serponzon ? Pas d'activité touristique, pas d'irrigation possible pour l'activité agricole de toute la vallée de la Durance jusqu'à la plaine de Croix. Pas d'alimentation en eau potable de la métropole ex-Marseille, mais aussi pas de gestion des crues dévastatrices de la Durance ou des sécheresses multiples qui se sont succédées pendant de nombreuses années. Les usages grâce à cette retenue sont partagés, mais le partage du risque, lui, n'est pas partagé entre l'amont et l'aval. Les EPCI, depuis le 1er janvier 2018, doivent assumer la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Mais avec une taxe votée par le Conseil communautaire et qui est limitée au maximum à 40 euros par habitant, le calcul est simple. 140 000 habitants dans les Hautes-Alpes fois 40 euros, cela fait un total de 5,6 millions d'euros. Et c'est avec cette somme que le département des Hautes-Alpes doit gérer les risques naturels et la gestion de ces milieux aquatiques. Il est temps que le citoyen de Laval participe au financement de la gestion des cours d'eau se situant en amont, si nous voulons éviter des catastrophes humaines et environnementales. Merci Madame la députée. J'ai fait une erreur en vous voyant inscrite. Je pensais que vous alliez me reparler des questions de gouvernance parce que je sais que vous y êtes sensible, mais on les a déjà évoquées ensemble à la fois à Savine, le lac et depuis. Et je ne doute pas que vous profiterez de l'opportunité législative de discuter sur la PPL sénatoriale pour faire entendre votre point de vue là-dessus. La question de la solidarité, elle est cruciale. Et effectivement, en fonction des usages. Et là aussi, on a des situations qui n'ont rien à voir. Par exemple, les Pyrénées-Orientales, c'est là encore le hasard, mais n'ont pas d'eau qui vient de l'extérieur et n'ont pas d'eau qui en sort. Les frontières du département correspondent quasiment aux frontières et des nappes et des ressources avec les trois rivières principales qui les alimentent. A l'inverse, ce que vous décrivez pour une partie de ces territoires de montagne correspond à une réalité et sur lequel il y a sans doute des modèles de solidarité qui sont à améliorer, d'autant que l'éléphant dans la pièce, ça va être la diminution de l'enneigement. Et donc la difficulté pour une partie des secteurs de montagne à se retrouver avec la même quantité d'eau qui sera disponible. Et ça amplifiera les trajectoires de sobriété et donc
les capacités de résilience des différents territoires. La parole est à Christelle Pétex-Levé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le plan eau du gouvernement prévoit d'augmenter le budget des agences de l'eau de 475 millions d'euros par an et de relever le plafond mordant unique qui pèse sur les dépenses d'investissement de ces agences à partir de 2025. Il était temps car nous étions face à une véritable incompréhension. Chaque année, l'État prend 300 millions d'euros aux agences pour combattre les déficits publics tout en leur imposant d'apporter l'essentiel des recettes de l'EFB au détriment de la modernisation des réseaux et des stations d'épuration. Aujourd'hui, l'eau ne paye plus pour l'eau, mais pour la biodiversité. Vous avez d'ailleurs abordé rapidement ce point. Pourriez-vous nous en dire plus ? Quelle évolution pour cette logique qui fait peser sur l'usager et le petit cycle essentiel du financement de la politique de l'eau ? Et pourquoi la biodiversité ne payerait pas pour l'eau ? Comme l'a suggéré le rapport Richard Jarretti, en affectant une part de la taxe d'aménagement des départements aux agences, ou alors la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. D'abord, vous avez raison, on a diminué globalement les moyens qu'on a consacrés à l'eau, tout gouvernement confondu depuis une quinzaine d'années, avec parfois des règles totalement comptables, comme les plafonds mordants qui fait que si vous vous retrouviez avec des réserves, vous deviez les reverser au budget de l'État. Bilan, les agences de l'eau ont eu tendance à diminuer leur niveau de redevance, et il arrive que les collectivités aient maintenu les centimes d'euros qui étaient diminués par les agences, donc que les particuliers s'en soient pas rendus compte, et qu'à la fin, on ait eu une évaporation, sans mauvais jeu de mots, des moyens publics pour être capable d'agir. En rajoutant un demi-milliard d'euros, j'allais dire qu'on revient à une forme de philosophie dans laquelle l'eau paye l'eau, puisque, certes, il y a ce prélèvement en direction de l'OFB, mais en parallèle, on est en train de construire, dans le cadre de la SNB que j'évoquais un peu plus tôt avec Madame Bellucco, une trajectoire de financement de cette biodiversité. Parce que, pour être tout à fait honnête, on va se retrouver avec un peu plus de 2,5 milliards pour l'eau. Les moyens qu'on consacre aujourd'hui à la biodiversité, ils sont loin de ce qu'on est amené à mettre et de ce que nous devrions mettre, y compris dans une perspective rationnelle. L'inaction de protection de la biodiversité, elle a un coût. Si on laisse les ravageurs, les conséquences, y compris sur les rendements agricoles, sont énormes. Les conséquences de la sécheresse, on peut comparer le demi-milliard que nous mettons avec les 2 milliards d'euros minimum qui est le coût de la sécheresse de l'été 2022. Donc, tout est dans tout. On a deux trajectoires parallèles qui devront se rejoindre au moment de la loi de finances pour l'année prochaine, celle de la crédibilité d'une trajectoire pour la biodiversité et celle du financement complémentaire au titre de l'eau qui vous est proposé à cette hauteur. La parole est à Madame Paulbois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, la gouvernance, c'est très compliqué. Vous avez parlé de 1000 organismes, mais on ne s'y retrouve plus, on s'y perd. Il y a des syndicats de rivières, il y a des SAGE, des SDAGE, des EPAGE, des EPTB, des clés. Et donc, on s'y perd. Et vous avez raison quand vous dites que les conseils départementaux sont des acteurs clés dans la gestion de l'eau. Ce sont des acteurs historiques, ils ont un passé. Il fut un temps où ils faisaient des schémas départementaux d'approvisionnement en eau potable, des schémas départementaux d'assainissement. De plus, ils sont les principaux financeurs aux côtés de l'État, parce que l'agence de l'eau ne peut pas financer au plus près du terrain, elle ne peut pas être aussi près que les départements. Donc je pense que l'échelon départemental est essentiel, à la fois pour mutualiser les investissements, mais aussi pour les interconnexions, la solidarité entre les interconnexions, et puis aussi pour la prospection. Parce que je me demande si on a bien fait l'inventaire de toutes nos réserves en eau. On a les nappes phréatiques, mais on a aussi les nappes aquifères souterraines. Dans le Jura, par exemple, il y a des nappes qui datent du Quaternaire et on ne les utilise pas. Donc, voilà, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Attendez, parce qu'il reste que très peu de questions. En fait, vous êtes la dernière. Terminée, Madame Paulbois. Terminée. Ouais, mais c'est quelque chose qui ne fait pas vraiment pas rêver, Monsieur le Ministre. Mais vous parlez des eaux grises et des eaux... Alors moi, les eaux des toilettes. Franchement, l'eau potable dans les toilettes, est-ce qu'on ne pourrait pas développer un peu plus la recherche sur les toilettes sèches ? Voilà qui méritait de laisser un petit peu de temps, Monsieur le Ministre. Bon. Je vais regretter que vous ayez prolongé la question parce que du coup je vais être à sec sans mauvais jeu de mots sur la capacité de répondre à Madame Brunebois alors que la réponse sur la première partie se matérialisait. Bon, plusieurs éléments. D'abord rapidement sur la gouvernance. Vous avez raison qu'on est sur un écheveau avec des quantités de niveaux.
mais il faut distinguer ce qui relève parfois d'une capacité à s'adapter au territoire. Et donc je ne suis pas pour simplifier à l'extrême, parce qu'on voit bien que pour éviter les guerres de l'eau, que tous les usagers puissent se parler, qu'on ait des instances qui permettent de mettre les uns avec les autres, c'est précieux. Et de surcroît, vous entendez peu d'acteurs dans le domaine vous expliquer qu'il y a trop d'instances ou trop de structures. C'est le regard de ceux qui n'y sont pas. Ceux qui sont dedans sont souvent passionnés, ils y passent des heures, mais on a besoin de simplifier parce que c'est une source de gaspillage et d'inefficacité. D'où ce que j'ai pu dire un peu plus tôt sur la lutte contre les communes isolées. En revanche, il faut qu'on arrive à un minimum de couverture du territoire. Moi, ce qui m'embête, c'est les endroits où nous n'avons pas ces structures. C'est la moitié des sous-bassins sur lesquels on n'a pas de plan de gestion. C'est les secteurs sur lesquels on n'a pas de réflexion qui soit collective. Pourquoi ? Parce que c'est souvent les endroits où on est dans le déni de difficultés. Les problèmes qu'on a eus l'été dernier, c'est qu'on s'est retrouvé avec 93 départements en situation de restriction, dont des départements qui n'avaient jamais été dans cette situation, et donc dans lesquels il n'y avait pas d'arrêté sécheresse, il n'y avait pas d'instance et d'habitude de discussion, et donc dans lesquels il a fallu des jours pour bâtir une espèce de doctrine. Ce qu'on voit bien, c'est que dans des épisodes comme ceux qu'on a connus et que nous connaîtrons à nouveau, il faut que la totalité du territoire soit couverte avec des mesures de restriction homogènes, et j'aurai l'occasion dans quelques jours de présenter le plan sécheresse remis à jour par rapport à l'année 2021 qui donne un cadre pour les restrictions. C'est la réponse que j'aurais aimé apporter un peu plus tôt, de manière à ce que les préfets puissent durcir les règles quand ils le souhaitent, mais qu'à l'inverse, il y a un seuil minimal en deçà duquel on ne peut pas descendre. Je vous donne un exemple, c'est que le fait que le préfet des Pyrénées-Orientales va interdire la vente de piscines hors sol sur son territoire, parce que théoriquement le premier remplissage de piscine est autorisé. Et donc en interdisant la vente, bah vous interdisez le premier remplissage, qui est une cause de dérogation. Et quand vous n'avez plus d'eau dès le début du mois de mai, sincèrement, et que le risque c'est la perte des arbres en arboriculture, et donc c'est 5 à 7 ans sans récolte si vous n'avez pas un minimum d'irrigation, c'est pas exactement les mêmes conséquences que si vous pouvez pas vous ébattre ou vous égayer dans l'eau dans de bonnes conditions. Voilà ce que je peux dire. Sur les toilettes sèches, on peut même revenir aux toilettes au fond du jardin. Sans mauvais jeu de mots, on a déjà de tels gisements sur les eaux grises, objectivement, qui sont utilisés dans d'autres pays, que rien n'empêche ceux qui le souhaitent de s'équiper de toilettes sèches. En revanche, commençons déjà par autoriser, puisque c'est interdit aujourd'hui de manière réglementaire, que ce type d'eau puisse alimenter les cuvettes d'eau potable. C'est pas du tout marginal en consommation. Merci, monsieur le ministre. C'est environ 18% de la consommation journalière. Sur les 148 litres d'eau, on en boit 1,5. Il y a 39% qui sert à se laver. On en a environ la moitié de ça qui sert effectivement au niveau des chasses d'eau et de ce type de choses. Merci, monsieur le ministre. La parole est à Damien Adam. Merci, monsieur le président et monsieur le ministre. Ma question, quelque part, elle fait le lien avec la question précédente, puisqu'on a parlé des eaux grises, mais je voudrais parler maintenant des eaux pluviales. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé cet après-midi, mais ça me semble être un élément intéressant pour la suite, pour économiser l'eau, d'utiliser des eaux pluviales, notamment dans tout ce qui est bâtiment, pour certains usages. On peut imaginer évidemment rapidement l'usage des toilettes, mais également des machines à laver qui pourraient être utilisées là-dessus. Donc je voudrais savoir si dans le cadre de la réflexion sur le plan eau et puis les suites potentielles qu'il pourrait y avoir dessus, est-ce que vous avez réfléchi sur rendre obligatoire pour les nouveaux bâtiments qui seraient créés, tertiaires ou résidentiels, la récupération des eaux pluviales pour ces usages ? Autre sujet qui me paraît important, c'est qu'on voit de plus en plus de particuliers qui, parce qu'on parle beaucoup de pénurie d'eau, s'équipent en cuve pour retenir les eaux pluviales pour leurs besoins de jardinage, de maraîchage et autres. Et je voudrais savoir si on a des réflexions sur un peu l'impact de ces cuves, si c'était généralisé à grande échelle, sur le cycle de l'eau et sur d'autres contraintes que ça pourrait générer là-dessus. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Alors, sur les eaux de pluie, deux leviers. D'abord, pour aider les particuliers, il arrive que certains territoires, y compris versent des aides financières pour permettre aux particuliers de s'équiper. Vous aurez bientôt un projet de loi de finances. On pourrait imaginer que dans les mesures pour accompagner non pas tous les Français, quel que soit leur niveau de revenu, quel que soit le territoire où ils habitent, mais on puisse avoir une réflexion. Il existait jusqu'à il y a une dizaine d'années des aides pour s'équiper en termes d'eau de pluie, et puis le sujet s'est un peu perdu en chemin. Et moi, je pense que dans des territoires en crise, ça pourrait éventuellement avoir une forme d'utilité pour les particuliers avec un plafond de ressources. Je le glisse comme ça, en passant. Bon. On n'a pas aujourd'hui une généralisation des cuves qui est telle que ça nous permette de mesurer l'impact sur le petit ou sur le grand cycle de l'eau, parce que vous l'avez dit, c'est un sujet sur lequel finalement, il y a quelques personnes qui font des choses. Il y en a de plus en plus dans ceux qui se font construire des maisons neuves,
qui investissent sur ce type de produit, mais ça n'est ni culturellement généralisé, ni suffisamment intense pour que ce soit objectivable. Deuxième élément, en creux, le vrai sujet, c'est le zéro artificialisation nette et c'est la lutte contre l'imperméabilisation des sols. On n'a pas prononcé ces termes depuis le début ou très peu. Un sujet majeur, c'est la ville éponge. C'est la capacité à faire en sorte qu'on puisse aider à la recharge des nappes en évitant qu'on se retrouve à totalement imperméabiliser les sols. Et là, on voit d'abord le succès du fonds vert. Dans les demandes qui sont faites pour aller permettre de la perméabilisation ou de la renaturation, les déminéralisations de cours d'école, c'est bon pour lutter contre les îlots de chaleur, c'est bon pour nos enfants parce qu'un arbre c'est 7 degrés de moins quand on est à proximité pendant une période de canicule, mais c'est aussi bon parce que ça permet la recharge des sols. De la même manière que le plan d'un milliard d'arbres avec la reforestation est crucial. Un arbre c'est une pompe à eau qui sert aussi à aller alimenter l'eau, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les forêts primaires s'appellent des rainforests, c'est parce que tout l'équilibre de ces forêts tropicales permet aussi d'avoir des pluies qui sont abondantes, un stockage de l'eau qui se fait dans les sols. C'est pour ça qu'il faut à la fois lutter contre les coupes rases de la biodiversité, les conséquences que ça a, même si chez nous c'est à petite échelle, mais que la lutte contre la déforestation en particulier dans les grands bassins est absolument cruciale. Sur l'obligation, nous ne sommes pas partis sur une obligation, parce qu'on peut avoir des situations en fonction des bassins et des secteurs qui n'est pas nécessairement la même. Et donc on n'a pas dit qu'il faut partout qu'il y ait des obligations de ce type. On est plutôt sur des logiques qui sont des incitations ou des soutiens, parce qu'encore une fois, une partie de cette eau, si elle n'arrive pas sur des espaces qui sont goudronnés, elle vient recharger la terre. Et donc, on peut aussi avoir besoin de l'eau de pluie pour ça. La parole est à Nicolas Thierry. Merci, Monsieur le Président. Je profite de cette fin d'audition pour faire un léger pas de côté, tout en abordant un sujet foncièrement lié à la qualité de l'eau, celui de l'exportation depuis la France de pesticides interdits en Europe. Monsieur Béchu, lors de la séance de questions au gouvernement du 13 décembre dernier, vous vous en souvenez peut-être, parfait, vous m'aviez indiqué que vous finalisiez avec Monsieur Fesneau un décret permettant de combler les failles dans lesquelles s'engouffrent les industriels pour exporter des pesticides interdits sur le sol européen. Et pour rappel, il s'agissait d'actualiser le décret de mars 2022 relatif à la loi Egalim, et vous aviez pris cet engagement devant le Parlement. Et 4 mois plus tard, ce nouveau décret, en tout cas à ma connaissance, n'est toujours pas publié, et la France continue donc à exporter ces pesticides interdits chez nous. Donc je voulais savoir si vous aviez finalement renoncé à publier ce nouveau décret. Merci. Merci pour votre question. Pour autant que je m'en souvienne, ce n'est pas le pesticide, mais la molécule active qui posait une difficulté, puisque l'interdiction des produits avait oublié de préciser qu'il fallait interdire la molécule active, et donc on se retrouvait avec ce trou dans la raquette qui conduisait à cette situation. Et ma réponse à votre question, elle était double. Elle était pour vous indiquer qu'on finalisait le décret et qu'on avait un enjeu européen, puisque la production de pesticides avait augmenté chez nos voisins et qu'une partie des produits qui n'étaient plus autorisés depuis la France se faisait, en particulier en Suisse et en Allemagne, si je me souviens complètement de la réponse que je vous ai faite. Mais je crois que c'est le cas. Et je vous ai dit qu'on avait la finalisation du décret et le combat européen, y compris dans le cadre de REACH, et du travail auprès de la Commission pour que ce ne soit pas uniquement une décision française, mais qu'on puisse essayer d'embarquer une partie de nos voisins. Et c'est bien ce double mouvement que nous poursuivons. J'aurai l'occasion dans quelques jours de voir le commissaire breton pour discuter de manière plus large sur les questions produits chimiques, pesticides, etc. Parce qu'il y a quelques tentations européennes d'aller décaler dans les calendriers des choses au-delà de cette année 2023. Or, comme on a des élections européennes qui arrivent dès 2024, les sujets qui n'auront pas été traités d'ici la fin de cette année, le risque qu'ils ne prennent pas un an de retard mais qu'ils en prennent deux est important. Ça ne nous empêchera pas de prendre ce décret de manière uniquement nationale. On veut juste se laisser une dernière chance de faire en sorte d'embarquer d'autres pays avec nous au moment où nous finalisons sa réécriture, qui est finalisée, mais qui, avant publication, nous conduit à essayer de pousser l'avantage auprès de nos voisins. Je vous en prie. Parole est à Michael Cosson. Oui, avant de poser ma question, je voulais, sur l'eau pluviale, je pense que la gestion intégrée des eaux pluviales est un concept qu'il nous faudra vraiment appliquer à la lettre pour pouvoir justement ne pas avoir des infrastructures qui sont coûteuses pour les collectivités, puisqu'en fait, il faut le savoir, lorsqu'on fait un lotissement, c'est bien entendu le lotisseur qui le reporte sur le coût du terrain, mais lorsqu'il s'agit de le renouveler, c'est bien à la collectivité de devoir faire les travaux. Et ça, c'était un moyen de pouvoir éviter cela. Ma question, c'était par rapport à, je l'avais un peu soulevé tout à l'heure, la première question. Vous l'avez cité, monsieur le ministre, nous avons la chance d'avoir des grands groupes leaders mondiaux sur la thématique de l'eau. Et malheureusement, on n'en voit pas les bénéfices sur notre territoire.
Il n'y a qu'à regarder ce qu'ils pratiquent en Espagne ou en Italie, où est-ce que la normalité fait qu'on réutilise les eaux usées, et voire même les stations de boues d'épuration pour alimenter les flottes de véhicules des collectivités. Et ces mêmes groupes sur nos territoires ne l'appliquent pas du tout, ou très peu, dès lors qu'il faut qu'un maître d'ouvrage soit un peu avant-gardiste pour qu'il puisse le faire. Et j'aimerais justement rappuyer sur ce point, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce qui se pratique normalement dans nos territoires voisins puisse se faire en France avec ces leaders mondiaux. Faire en sorte que les collectivités arrêtent des délégations de services publics sur 5 ans qui empêchent ces leaders de pouvoir investir davantage, puisque les délégations sur nos territoires voisins, c'est plutôt de l'ordre de 15 ans, ce qui explique qu'ils font beaucoup plus de travaux pour les collectivités à l'extérieur de la France, et on aimerait pouvoir en bénéficier alors que ce sont les leaders mondiaux. Donc voilà, je voulais savoir vraiment qu'est-ce qu'on va faire en France pour que ces opérateurs agissent de la même manière ce qu'ils font ailleurs. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député Gosson. C'est vrai que tout à l'heure, c'était l'inconvénient de la réponse collective, j'ai peut-être pas passé suffisamment de temps à vous répondre. D'abord, je veux terminer par la fin. Il n'est pas obligatoire de passer une délégation auprès d'un de ces groupes pour pouvoir obtenir ce type de résultat. Il suffit de lui demander, au moment où il fabrique la station d'épuration, de le faire, et je le dis pour avoir été à la tête d'une collectivité qui assume la régie, mais qui a fait appel à ces groupes pour améliorer son process et aujourd'hui faire partie des territoires d'expérimentation, par exemple sur l'arrosage de ses pelouses, puisque c'est la ville la plus verte de France en nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant. Deuxièmement, on a finalement vécu avec deux faux principes. Le principe de précaution, parce qu'on pensait qu'il y avait l'abondance, et le deuxième, c'est qu'on présupposait qu'il n'y aurait pas d'acceptabilité sociale. Le ministère a commandé un sondage dans le cadre du plan eau, qui a consisté à solliciter une partie des Français. On a dû dépenser 8000 euros pour tester un panel global sur plein de questions. Et dans celle-là, l'acceptabilité. Et j'ai été très surpris du résultat, puisqu'il y a même une majorité de Français qui explique qu'ils seraient prêts à boire de l'eau réutilisée, ce qui est le cas dans une partie de nos pays voisins. Preuve que les mentalités ont évolué beaucoup plus vite que la réglementation dans ce domaine. Donc l'argument de l'acceptabilité sociale ne tient plus. L'argument, à l'inverse, du principe de précaution tient encore, et c'est ce qui explique le travail auprès du ministère de la Santé, le chiffre de 1000. Mais le plan O a été présenté avec Agnès Firmin-Lobodeau, qui a été présente à toutes les étapes et qui s'est elle-même engagée à ce que d'ici l'été, les décrets rendant effectifs ces débuts de réutilisation de usées soient sortis. Et on a, vous l'avez dit, des groupes qui sont l'arme au pied pour être capables très vite de pouvoir déployer, et qui parfois ont déjà fait ce qu'il fallait dans les usines de traitement existantes et pour lesquels on n'a plus qu'à avoir l'autorisation pour y aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On n'oublie jamais les territoires ultramarins, et c'est une manière de rappeler à quel point ils sont importants pour notre commission, Madame Massia. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir évoqué les territoires ultramarins et par là même répondu à certaines de mes questions. Vous avez parlé, entre autres, de la situation préoccupante des canalisations d'eau potable à La Réunion, qui sont obsolètes et qui présentent de nombreux problèmes tels que des fuites et donc une perte importante de l'eau. Pas moins de 50% de notre eau n'arrive pas au robinet, alors que le plan eau prévoit d'atteindre 10% d'économie d'ici 2030. Donc c'est catastrophique. Je ne parle pas de la nature du matériau qui est utilisé et qui est elle aussi problématique. Mais j'ai compris suite à vos propos que les 35 millions étaient éligibles également au renouvellement des canalisations. C'est bien ce que j'ai compris. Hein. Donc voilà, ça, c'en est plus une de questions. Par ailleurs, pour préserver l'usager, puisque le contribuable paye déjà le financement par le plan eau issu de nos impôts, serait-il possible d'alerter les EPCI et les collectivités concernées sur la nécessité de ne pas augmenter le prix de l'eau déjà cher pour ne pas fragiliser encore plus le pouvoir d'achat déjà faible de nos familles ultramarines ? Et enfin, je voudrais relayer une question de ma collègue Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, et vous avez parlé également de Mayotte. Vous savez que la crise de l'eau existe depuis plusieurs années. Aujourd'hui, elle connaît une ampleur sans précédent par manque d'investissement de la part de l'État. Alors comment le gouvernement entend-il répondre à l'urgence de cette situation ? Telle est sa question. Je vous remercie. Vous avez vu que je ne vous ai pas coupé. Ah, merci. Je vous êtes allé au-delà d'une minute trente et vous avez posé deux questions. Donc puisque vous avez posé une question tout à l'heure sur l'agriculture. Donc vous voyez toute la place qu'ont les territoires ultramarins dans cette commission, madame la députée, monsieur le ministre. Alors,
Je vais savourer cette réponse qui sera donc la dernière au terme de cette audition qui m'aura donné soif. L'avant-dernière. L'avant-dernière. Il y a encore quelqu'un qui s'est rajouté. Comme quoi, je ne sais pas si finalement le fait de répondre au fur et à mesure était une bonne technique parce que ça incite certains à allonger la liste des orateurs. Bon. D'abord, il n'est pas exclu que j'aille dans les prochaines semaines à la Réunion, précisément autour de ces questions, pour se dire les choses de manière très concrète. Parce que nous avons une idée assez précise de des besoins qu'il y a là-bas, y compris d'être capable d'accompagner en ingénierie une partie de ces financements. Mayotte nous préoccupe particulièrement. Nous avons délégué un inspecteur général pour aller donner un coup de main. L'usine de désalinisation qui permettra de produire environ 2000 m3 jour ouvrira en fin d'année. On ne peut pas dire que ce soit un problème d'investissement de l'État. C'est 187 millions d'euros qui sont sur la table aujourd'hui pour l'eau potable pour Mayotte uniquement dans le cadre du quinquennat. C'est l'équivalent de près de 40 millions d'euros par an. Quand je vous dis qu'on met 35 millions de plus sur les Outre-mer, la somme que nous mettons à l'heure actuelle à Mayotte pour faire face aux problèmes... Bon. Et à Mayotte, je ne veux pas en rajouter, mais l'agriculture, ça n'est que 5% du niveau de consommation. Les habitants, c'est 80%. Et vous comprenez bien, quand vous avez la moitié, le double de la population théorique, la difficulté avec laquelle on se retrouve si les pluies n'ont pas permis d'être suffisamment abondantes. On est aujourd'hui confronté à cette difficulté, et donc avec des mesures de restriction qui ne sont pas comparables aux endroits où on peut expliquer qu'il faut faire des limitations d'usage industriel ou agricole. Et donc là, la réflexion aujourd'hui, puisque la saison des pluies est d'ores et déjà finie là-bas, c'est de l'alimentation en eau potable en grande quantité, convenir de ses qualités, éviter qu'on ait une inflation sur les prix dans un contexte où il y a un besoin, avoir des coupures horaires journalières pour faire en sorte de pouvoir tenir face aux besoins, avec ce qu'on appelle des tournées d'eau. L'usine de désalinisation, elle visait à permettre d'éviter ça, sauf que comme la population a continué à augmenter en parallèle, on a une sorte de course contre la montre qui nous pose ces difficultés et qui permet de comprendre l'émotion de Mme Youssoufa quand elle s'exprime sur ce sujet, et que certains métropolitains semblent depuis ici donner des leçons sur ce qu'il faudrait faire là-bas en n'ayant pas le début d'une idée de la complexité de ce que vivent les Mahorais. Donc ça, voilà la réponse que je pouvais vous apporter là-dessus. Merci Monsieur le Ministre. Je me permets de poser la dernière question, puisque ah oui. Nous parlons d'eau, et ça a été abordé notamment par notre collègue Pascal Boyer, je vais vous parler de l'étang de Berre. Monsieur le Ministre, vous connaissez très bien le sujet puisque vous êtes venu sur place. Vous avez pris le temps de comprendre et de, au final, analyser les propositions de la commission parlementaire, de cette mission d'information transpartisane que nous avions portée lors de l'ancienne mandature, pour que nous puissions avoir des propositions, notamment visant à valoriser 800 millions de mètres cubes d'eau à l'année qui est rejetée dans un étang exceptionnel, une pépite écologique qui est l'étang de Berre. J'entends, et c'est relayé par certains médias, une volonté de la part de l'État, du gouvernement, de troquer cette eau, une partie de cette eau, contre du pétrole. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous étiez opposé, notamment lors d'une question au gouvernement, à ce projet. Pourriez-vous de nouveau confirmer que vous êtes opposé à ce projet qui est de nouveau relayé par un certain nombre de nos opposants? Premier point. Et deuxième point, confirmer l'engagement de votre ministère pour que réellement, sur notre territoire, ces 800 millions de mètres cubes d'eau puissent être valorisés, je pense notamment au niveau de notre nappe phréatique de la Croix. Alors, je finissais par me désespérer d'avoir cette question, alors que c'est finalement une des premières dont j'ai pu m'occuper quand je suis arrivé dans ce ministère, avec cette visite que je n'oublierai pas à vos côtés, à celle de Pierre Dharréville, qui faisait partie des trois auteurs de cette mission parlementaire de très grande qualité. Le point de départ, c'est effectivement un article de Marianne, me semble-t-il, qui faisait état de conseillers de l'ombre qui étaient venus rencontrer des gens à l'Élysée pour leur proposer d'aller exporter des volumes d'eau douce pour récupérer du pétrole. Ce rendez-vous a bien eu lieu, mais il n'a jamais eu de suite. L'offre étant tellement farfelue et à côté de ce dont nous pouvions avoir besoin, que ça n'a donné lieu ni à des rendez-vous ministres, ni à même un début d'instruction ou d'analyse un peu sérieuse, tellement il serait loufoque d'imaginer qu'on va prendre de l'eau douce dans les temps de Berre pour être capable d'aller l'échanger contre du pétrole au moment où on veut sortir des énergies fossiles. Je précise que si je devais tenir le registre des propositions loufoques qui m'ont été faites depuis que j'ai commencé mon engagement politique, il est probable que ça donnerait matière à beaucoup d'articles de Marianne ou d'autres du même type. Et ça n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des idées décalées que ce sont des projets du gouvernement ou des projets de l'exécutif. On est face à une situation unique par rapport à la plus grande lagune d'Europe,
C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a une pollution à l'eau douce. Quand on parle de sécheresse, c'est quand même totalement antinomique. Cette pollution à l'eau douce qui a entraîné une procédure de justice contre la France pour faire en sorte qu'elle cesse, elle repose sur le fait que toute la chaîne des centrales hydroélectriques se termine dans cet étang de Berre et que les volumes dont parle le président Zoulézy, à la fin, une fois qu'ils ont servi à produire de l'hydroélectricité, sont projetés dans l'étang de Berre. Pendant longtemps, l'analyse prioritaire, c'était de réouvrir potentiellement des canaux pour qu'au lieu que l'eau aille dans l'étang de Berre, on aille la mettre dans la mer. Il se trouve que les parlementaires, en anticipant un peu la sécheresse, s'étaient dit c'est peut-être quand même un peu bête d'aller dépenser des dizaines de millions d'euros pour aller réouvrir des canaux pour que l'eau aille dans la mer, alors qu'il y a peut-être d'autres types d'usages. Il y en a deux principaux. Le premier, ce serait d'imaginer qu'une partie de cette eau puisse réalimenter le système hydroélectrique pour qu'on puisse produire davantage, puisqu'à l'heure actuelle, à cause de cette pollution à l'eau douce, la préconisation, c'est de diminuer la production hydroélectrique, alors que c'est notre première source d'énergie renouvelable et que précisément, c'est extrêmement vertueux d'un point de vue écologique. La deuxième idée, si on n'est pas dans un système qui consiste à faire remonter l'eau douce pour être peu ou prou dans une sorte de circuit plus ou moins fermé, c'est d'utiliser des canaux, mais pas d'aller vers la mer, d'aller vers la terre, et d'aller en particulier vers la plaine du Croc, qui au-delà du foin AOC qu'il produit, est un territoire agricole sur lequel on a des besoins et sur lequel potentiellement on pourrait pour le coup augmenter ou en tout cas faire en sorte de sécuriser des usages agricoles qui aujourd'hui sont menacés comme partout par la sécheresse. À l'issue de la visite que j'ai faite dans votre circonscription, la réunion de travail qui s'est tenue, la commande a été passée en particulier à EDF de financer une partie de ces études puisque c'est eux qui sont placés en situation de responsabilité par rapport à cette pollution et en disant clairement que les voies que nous préconisions c'était d'abord le fait d'alimenter la plaine du Croc, ensuite de regarder comment on pouvait conforter la production hydroélectrique, et seulement en dernier recours, le fait de se demander comment il fallait à ce moment-là dériver cette eau loin de la lagune et de l'étang de Berre. Mais je dis bien, les choses sont dans cet ordre, les études sont en cours, ça prend un peu de temps compte tenu des volumes financiers, de l'ampleur du dispositif, et du besoin qu'on a à avoir des choses qui soient certaines, et pas seulement des propos et des fake news comme certaines des informations qui ont pu être évoquées. Merci Monsieur le Ministre. Merci pour les réponses que vous avez apportées aux députés. Merci pour la considération que vous avez vis-à-vis de notre commission. Merci à tous. Chers collègues, très bonne soirée et à la semaine prochaine.